Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. L'honneur m'est choix à moi, Jude Chaleur-Mbina, jeune analyste et chercheur et jeune Gabonais au laboratoire de recherche et d'action diplomatique de la RAD, de vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Cet événement intitulé « Libre discussion, parole à la jeunesse de l'Afrique centrale et intégration droits et devoirs » qui nous rassemble aujourd'hui vient consacrer la célébration de la journée de l'intégration africaine par le laboratoire de recherche et d'action diplomatique, le LARAD, dont les responsables demeurent préoccupés au quotidien par l'avenir de la jeunesse africaine et particulièrement à celle de l'Afrique centrale. Soyez donc les bienvenus et je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente et bonne participation. La modération de cet événement sera assurée par le directeur exécutif, M. Lagrange Chinmeno Anyangpe, fondateur et directeur exécutif du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, que j'invite à prendre la parole. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Mbina. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Et je salue très respectueusement la présence de M. Pascal Akuala-Golo, qui est une personnalité qui fait beaucoup pour la jeunesse, non seulement de l'Afrique centrale, mais du continent, et qui est le président de la Fondation e-sport. M. Akuala est également conseiller à la jeunesse du président de la République congolaise. Je salue sa présence et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de notre continent. Mesdames et messieurs, merci à chacune et à chacun d'être là. Merci d'avoir accepté de prendre part à cet événement que nous avons bien voulu organiser avec la participation de son Excellence Madame Francis Katachor-Bilo, vice-présidente de la commission de la CEAC, qui, à la dernière minute, s'est retrouvée face à une contrainte professionnelle, face à une urgence professionnelle, et qui nous a demandé de vous présenter ses excuses et qui a promis que nous puissions organiser une deuxième partie de cet événement, que nous puissions échanger entre nous et lui faire un rapport et lui envoyer également le film de cet événement qu'elle suivra avec attention et en fonction de son agenda, elle programmera une nouvelle rencontre à laquelle elle nous conviera pour que nous puissions l'écouter sur les questions, sur les sujets sur lesquels nous aurions débattu. Mesdames et messieurs, comme le disait M. Mbina Jude Chaleureux tout à l'heure, je suis la grande fidèle Chinmeno RP. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai le privilège de diriger cette organisation qui a à cœur effectivement l'avenir de notre jeunesse, notre avenir, parce que nous sommes tous et toutes jeunes et toujours est-il que sans nous, beaucoup de choses ne pourront se faire et si également nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous n'assumons pas nos responsabilités, nous aurons mal à partir, nous serons rattrapés et beaucoup de processus, aussi bien dans notre sous-région que sur le continent, connaîtront des blocages, connaîtront des retards. Et nous avons pris l'initiative à l'occasion de cette journée de l'intégration africaine, nous avons pris cette initiative de bien vouloir convier la jeunesse de l'Afrique centrale particulièrement à échanger sur nos droits et nos devoirs face à l'intégration. Savoir ce qu'est l'intégration, certainement que tous autant que nous sommes, nous le savons, nous avons une idée de ce que c'est,
mais également nous approprier particulièrement nos droits, connaître réellement quels sont nos droits et quels sont également nos devoirs, parce que nous, jeunes, nous avons l'habitude de ne réclamer que des droits, sans pouvoir faire un état des lieux de comment est-ce que nous exécutons également nos devoirs, comment est-ce que nous prenons nos responsabilités, comment est-ce que nous travaillons à accompagner ou à nous impliquer d'une manière ou d'une autre dans les processus de développement ou dans les processus de croissance ou dans les processus d'épanouissement que nos autorités politiques ou administratives mettent en place. Il faut dire que dans le cadre de l'organisation de cet événement, nous avons pensé à associer nos autorités politiques ou administratives, les ministres de la jeunesse particulièrement, et également la plus grande institution sous-régionale qu'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et nous avons eu cette grâce, nous avons eu ce privilège d'avoir l'accord de Madame la vice-présidente, même si elle ne sera pas là aujourd'hui, d'avoir son accord. Et il faut dire qu'au préalable, nous avions eu à faire une enquête auprès des jeunes de l'Afrique centrale. Et ce qui est revenu le plus au cours de cette enquête, l'option qui a le plus, qui a eu pratiquement 90%, qui a été cochée à 90% par la plupart des jeunes que nous avons enquêtés, disent que nos autorités ne sont pas à nos écoutes. Les autorités politico-administratives de l'Afrique centrale n'écoutent pas les jeunes, n'associent pas les jeunes à leurs initiatives et leur imposent un certain nombre de décisions. Donc, beaucoup ont coché cette case-là, beaucoup ont eu à mentionner cela pour ceux qui ne l'ont pas coché. Et il faut dire que nous n'avons pas pu réaliser l'enquête dans tout l'espace CEAC, mais nous avons pu avoir des retours de sept pays de cet espace CEAC. Donc, face à cela, nous nous sommes dit comment est-ce qu'il faut travailler. Ça veut dire que c'est effectif, c'est une réalité. Si au niveau de sept pays, 90% pratiquement des jeunes disent qu'ils ne sont pas associés, qu'ils ne sont pas consultés, et qu'on leur impose des décisions, cela veut dire que c'est une réalité. Et face à cette réalité, il faut pouvoir essayer de voir comment corriger le tir, comment faire des propositions concrètes à nos autorités politico-administratives pour qu'ils comprennent effectivement que c'est nous qui sommes appelés à prendre la relève de tout ce qu'ils sont en train de faire et nous sommes pratiquement les principaux moteurs. Je ne vais pas monopoliser la parole, c'était pour vous donner un peu le cadre général, ce qui a motivé cette rencontre à laquelle vous avez bien voulu prendre part que je faisais ces rappels. Notre événement de ce jour, comme je le disais tantôt, connaît ou connaîtra une modification dans le programme. Ce qui va se passer, nous aurons... heureusement, pour le moment, nous ne sommes pas nombreux. Nous aurons à faire un tour de table. Nous aurons à faire un tour de table par rapport à la question de l'intégration et à la question fondamentale relative à nos droits et devoirs dans ce processus d'intégration au niveau de l'Afrique centrale. Nous aurons à faire un tour de table. Chacun aura à s'exprimer et après ce tour de table, nous allons essayer d'évaluer, de voir en fait ce que cette communauté, la CEAC, a eu à faire au profit de la jeunesse à ce jour. Je suis heureux parce que j'ai eu le privilège de lire le traité révisé de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et dans ce traité, il a été mentionné, la jeunesse a été mentionnée. Les questions relatives aux gens, au sport, ont été mentionnées et ont été confiées à une commission de la CEAC. Donc, nous allons voir ce qui a été fait à ce jour depuis que la CEAC a été créée ou depuis que nous connaissons
tous autant que nous sommes la CEAC, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Comment est-ce que nous analysons cela? Comment nous apprécions ce qui a été fait? Et qu'est-ce que nous pouvons proposer de façon technique? Nous avons lancé un formulaire et nous avons hier essayé d'harmoniser les réponses des uns et des autres. Nous allons revenir également dans un deuxième temps, après ce tour de table, sur les préoccupations des uns et des autres et nous allons ouvrir les débats. Mesdames et messieurs, voilà comment se déroulera notre événement de ce jour. Et comme je le disais tantôt, je remercie encore Monsieur Pascal Akwala-Golo qui, depuis plusieurs années, pour ne pas dire depuis des décennies, travaille aux côtés de la jeunesse, aux côtés des jeunes que nous sommes, hein, aussi bien dans son pays, le Congo, mais dans plusieurs organisations régional et international, ce qui nous a amené à le solliciter pour faire partie du conseil d'orientation de notre organisation et également des membres du directorat de notre organisation. Et comme il l'a toujours été, il n'a pas refusé cette sollicitation, il ne manque pas de nous apporter ses conseils. Monsieur Akwala-Golo aura à intervenir à un moment donné de notre événement. Ah, je vois sa main levée, donc je vais de ce pas lui laisser la parole. Merci à chacun, à chacune d'être là et je nous souhaite de passer un agréable moment et de vivre et enrichissante discussion. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je donne la parole à monsieur Pascal Akwala-Golo. Merci. Merci beaucoup, chers amis. Je vous dis bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole tout de suite parce que j'ai quelques contraintes auprès du président. Vous savez, c'est le président de la CEAC, mais je vous reviendrai tout de suite. Je remercie cette plateforme parce que, en fait, personnellement, je ne vais pas intervenir parce que en tant que conseiller du président en exercice de la CEAC, je pense que j'écouterai beaucoup plus mes collègues, vous les jeunes, certains sont peut-être mes enfants. Je pense que plus que je vous écoute, pour pouvoir arriver peut-être avant la fin, avant de recevoir le rapport de notre réunion, avant de recevoir ce que la vice-présidente aura dit, que le président de la République soit informé de ce que vous aurez fait aujourd'hui, parce que moi, personnellement, je reste à votre écoute. Notre ami a parlé d'une commission qui a été créée au niveau de la CEAC en matière de jeunesse et sport. Je m'en réjouis. Je pense que cette commission, nous allons l'aider à faire en sorte que certains pans des problèmes de la jeunesse et le sport soient pris en considération dans la vie de notre organisation. Et je suis heureux aussi que le président Denis Sassou Nguesso soit président en exercice. Il y a quelque temps, il m'a reçu. Nous avons parlé du courrier que notre organisation avait adressé, mais lui, il pense que nous devons prendre en main notre exercice, et il me le dit encore, même si vous avez dépassé 35 ans, et je dois aider les jeunes à faire en sorte que la prise en main de ces problèmes-là soit parte de nous. Et lui, il sera, il est très, très regardant en matière de jeunesse et sport. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais peut-être décrocher un tout petit peu parce que je vais rencontrer le directeur de cabinet du président. Mais, chers amis, je vous reviendrai très, très vite, certainement dans 45 minutes. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment, monsieur le conseiller. Effectivement, j'ai commis l'imprudence de rappeler que c'est son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République congolaise, qui est président en exercice de la conférence des chefs d'État
de la CERC et effectivement qui nous a fait, que nous avons humblement sollicité, que notre organisation a sollicité et qui nous a donné une oreille très attentive, hein, qui n'a pas manqué, comme il le fait d'ailleurs pour toutes les catégories de jeunesse qui s'approchent de lui, il n'a pas manqué de nous encourager et de nous exhorter à bien faire et à toujours chercher à mieux faire. Je remercie infiniment Monsieur le conseiller pour cette porte qu'il nous ouvre encore, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que Son Excellence Monsieur le Président en exercice de la conférence des chefs d'État soit informé de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci infiniment Monsieur le conseiller. Merci et je crois que, comme je l'ai toujours dit, vous êtes un modèle que nous ne manquerons pas de copier. Merci et à chacune et à chacun. Je vais, comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire un tour de table. Nous allons faire un tour de table. Chacun et chacune aura à intervenir sur... D'accord, bonjour à tous. J'ai l'impression que le modérateur a un problème avec sa connexion. Comme il a mentionné donc tout à l'heure, nous allons commencer par un tour de table, c'est-à-dire que chacun prendra la parole pour un peu élucider quels sont les réels défis auxquels l'Afrique centrale ou la jeunesse de l'Afrique centrale est confrontée actuellement. Voilà, donc nous allons commencer par cela. Quelle est la vision de l'intégration aussi que vous avez au niveau de la jeunesse pour l'Afrique centrale? Quelles sont les propositions que vous pouvez faire? Nous pouvons juste lever la main et je distribuerai la parole. Merci bien. D'accord. Infinix Note 8i, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup à l'organisation qui a songé si unir la jeunesse africaine, la jeunesse de la sous-région, la jeunesse de la région, de la communauté économique des États. Moi, Emmanuel Dimouza Moroni, je suis un des militants du mouvement citoyen Lucha, lutte pour les changements depuis la RDC, Congo-Kinshasa. Comme vous le savez, l'intégration des jeunes, par exemple, au niveau de la sous-région, au niveau de la communauté économique des États d'Afrique centrale, cause énormément de défis, non seulement au niveau de la RDC, mais aussi au niveau de toute la sous-région. Et parmi ces défis, il y a entre autres l'intégration des jeunes, ou bien la participation des jeunes aux institutions de prise de décision. Aujourd'hui, les jeunes sont vraiment minoritaires dans ces institutions de prise de décision. Pourtant, les jeunes sont toujours à la première place lorsqu'il faut, par exemple, organiser des manifestations, lorsqu'il faut appeler les jeunes à participer dans des partis politiques, aller attendre des autorités, aller à l'aéroport, aller dans des bus. Mais les jours où on va partager les gâteaux, le pouvoir, les jeunes sont toujours exclus. Et il y a les slogans d'ailleurs qu'on a toujours dit aux jeunes, que moi-même je n'aime pas. On a toujours dit que les jeunes constituent, par exemple, les Congos de demain ou l'Afrique de demain. Pourtant, les jeunes ne doivent pas constituer les Congos, ni l'Afrique, ni la région de demain, mais plutôt les jeunes doivent constituer la RDC, la sous-région d'aujourd'hui. Les jeunes doivent aussi participer dans des institutions de prise de décision. Et aujourd'hui, par exemple, si je peux analyser l'intervention de la communauté économique d'Afrique centrale, vous allez vous rendre compte que ces impacts ne se font pas sentir vraiment, particulièrement en RDC. On ne sent pas vraiment l'impact de la communauté économique d'Afrique centrale sur le plan d'intégration, sur le plan d'encadrement des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est juste des choses que nous sommes en train de vivre dans des chaînes de radio, dans des télévisions, sur des réseaux sociaux, que non, la communauté économique d'Afrique centrale existe, mais sur le plan de son impact, sur le plan des résultats d'intégration des jeunes dans les institutions, en tout cas, ce département de jeunes, on dirait, s'est exclu dans cette communauté économique d'Afrique centrale. Alors, moi, je pense, dans un premier temps, il faut faire participer les jeunes dans des institutions de prise de décision.
Il faut arriver aussi à organiser des activités, des actions, par exemple des jumelages entre les jeunes de la RDC, les jeunes du Congo-Brazza, les jeunes du Gabon, et j'en passe, pour que l'on puisse exactement échanger les expériences, échanger les comportements, les connaissances, l'éthique même relative à l'intégration des jeunes dans la sous-région de la communauté économique d'Afrique centrale. Si vraiment on ne fait pas des choses pareilles, si on n'organise pas d'activités de jumelage, les jeunes seront toujours exclus. Mais aussi, si on organise ces activités, on sera en train de construire un idéal commun. Imaginez-vous, parmi les pays de la communauté économique d'Afrique centrale, mais ces pays se font encore des guerres. Ces pays continuent à fermer des frontières. Pourtant, on dit intégration. Et lorsqu'on dit intégration, ça signifie il y a des questions, au fait, qui peuvent constituer les matières de partage. Il y a, par exemple, la question de la protection de l'environnement. On ne sent pas, est-ce que vraiment les jeunes échangent sur cette question? Est-ce que les jeunes, sur le plan écologique, exercent des pressions aux gouvernants pour qu'on puisse mettre en place des politiques écologiques, des politiques qui préservent l'environnement? Sur le plan, par exemple, de l'emploi, est-ce que la communauté économique d'Afrique centrale essaie de mettre en place un système d'emploi permettant aux jeunes de la RDC, du Gabon, du Congo-Brazza, de se retrouver sur le plan social, qui sont vraiment intégrés? Sur le plan de l'éducation, est-ce qu'il y a une université ou bien une école secondaire ou bien des écoles primaires où on apprend vraiment l'idéologie de la communauté économique des États d'Afrique centrale, de façon qu'on peut se dire, c'est vrai, la communauté, parce que c'est sur le plan de l'intégration, que ce soit économique ou sociale, est-ce que nous avons ces universités où les jeunes viennent et apprennent? Est-ce que nous avons des banques propres vraiment à la communauté économique des États d'Afrique centrale, où facilement on peut s'échanger de monnaie? Vous voyez, en RDC, il y a les francs congolais. Au niveau du Gabon, il y a leur propre monnaie. Au niveau du Congo-Brazza, ils ont leur propre monnaie. Mais est-ce qu'il y a vraiment une monnaie qui circule et qui ferait l'intégration de ces États d'Afrique centrale? Et je vis, on a dit, intégration des jeunes, droits et devoirs. C'est vrai, à notre niveau, nous avons des droits, tout comme nous avons aussi des devoirs. Est-ce que nous remplissons nos devoirs avant de revendiquer aussi nos droits, même si on est encore dans un paysage là qui nous exclut, on dirait, du marché, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan de la santé. En tout cas, les jeunes sont jusque-là exclus. Je m'en vais chuter en disant que nous devons beaucoup plus réaliser, c'est vrai, nos devoirs avant de revendiquer nos droits, mais que les autorités aussi arrivent quand même à mettre en place tout un système nous permettant d'accéder à nos droits. Par exemple, l'accès à l'emploi, l'accès au salaire décent, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, tel que prôné par la charte même de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et si nous parvenons à accéder à tout ça, ça va nous permettre de réaliser aussi nos devoirs. Ma dernière préoccupation concerne beaucoup plus l'intervention de la communauté économique d'Afrique centrale vis-à-vis de la question politique, par exemple, qui se passe dans cette région. Quelle est leur intervention? Pourquoi la communauté économique des États d'Afrique centrale observe, même lorsqu'il y a un dictateur, lorsqu'il y a des gens qui propatuient les constitutions, lorsqu'il y a des gens qui ne font pas participer les jeunes dans des instances de prise de décision, mais ces États, celui qui a la présidence, ne fait rien, ne fait pas même des discours, des déclarations, on dirait la communauté n'a pas vraiment un mécanisme dissuasif. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que jeunes, pour que nous puissions contraindre, par exemple, que le président ne puisse pas propatrier les constitutions, ne puisse pas changer les constitutions comme il veut, ne puisse pas briguer de mandat au-delà de mandat constitutionnel? Tout ça, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes? Voilà un peu ma petite intervention. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre contribution. Je vais donner la parole au Dr Paul Kananova pour continuer cet aspect. Merci. Merci Jude pour la parole.
Bon, j'espère que le directeur exécutif va nous revenir parce que je crois qu'il a un problème de connexion. Mais sinon, j'avais pas prévu de ne rien dire parce que j'étais pas prévu. C'est une surprise, mais bon, comme c'est à la matière de la jeunesse et surtout de l'intégration, je pense que nous avons eu. Ça tombait bien parce que il y a quelques jours, je pense que c'était jeudi passé, où nous avons eu une visioconférence de l'Institut Mandela du laboratoire et de l'école de doctorat de gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient sur ces enjeux de l'intégration, notamment sur la manière de le penser. La configuration stratégique des communautés régionales africaines. Pourquoi? Parce que il y a une vingtaine de communautés régionales africaines qui se superposent sur les espaces et qui sont totalement inefficaces, dont certaines sont inutiles. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans le cadre de rationalisation, comme dans la note numéro 4 de l'Institut Mandela, la note stratégique sur repenser la gouvernance panafricaine post-Covid, surtout avec les différents sujets, là nous sommes sur... un cycle de conférences sur le passé. Nous avons repensé la place de la jeunesse, nous avons repensé la place de la jeunesse et des femmes dans l'économie post-Covid, nous avons repensé les enjeux du pouvoir avec la féminisation et rajeunissement du pouvoir, des instances de prise de décision africaines. Là, nous étions sur le passé, la configuration stratégique des communautés régionales. Le 28, on va sur repenser la sécurité et la défense africaine, ainsi de suite avec d'autres sujets, repenser l'industrialisation, l'économie au mois de novembre. Mais ce n'est pas pour vous citer ce que nous voulons faire, c'est pour vous comprendre que la jeunesse est au centre. Si tout le monde est d'accord que l'avenir est de l'Afrique, la jeunesse est l'avenir de l'Afrique, nous sommes d'accord, tous. Mais le problème, c'est qu'on ne fait rien pour que cette jeunesse soit l'avenir de l'Afrique, ni en termes de formation, ni en termes d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut trouver les outils d'autonomisation des jeunes. Il y a des options. On ne peut pas avoir une jeunesse engagée, noblesse, entreprenante, que nous avons vu pendant la COVID-19 avec l'État là, de trouver des solutions avec peu de moyens. Nous avons vu des réalisations extraordinaires, mais qui manquent les moyens. Donc il faut les moyens, mais il faut aussi les arracher. Il ne faut pas avoir une peur ni langue de bois, parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir gérontologique, gérontocratique, ou gérontocratie, la gérontocratie à la tête de nos pays. On n'est pas contre les vieux, mais on ne peut pas quand même être dans un pays où le ministère de la Jeunesse est occupé par quelqu'un de 80 ans. Je ne sais pas s'il pense l'avenir de la jeunesse ou s'il pense la cimetière. À un certain moment, il faut retrouver nos places. Nous retrouvons la place de la jeunesse, c'est dans quel sens? C'est que les jeunes doivent s'investir politiquement. Au lieu qu'ils soient utilisés par les partis politiques pour des actions de mobilisation, de publicité, voire même de violence contre ceux qui ne pensent pas comme eux, d'autres en face, ce qu'on appelle en face, il faut qu'ils soient mobilisés pour porter dans les instances. Vous laissez la présidence. Mais vous prenez les instances régionales jusqu'au national, les instances locales, dans les communes, se battre pour être les conseillers nationaux, se battre pour être les conseillers régionaux ou départementaux,
et en fait de compte, se battre pour être les députés nationaux, les députés provinciaux dans les pays où ça se fait comme en RDC. Et c'est là où vous allez changer les choses. C'est là où vous comprendrez qu'il faut toucher les réalités du pouvoir pour changer les choses. Ben, sinon, être dans les mouvements, c'est bien. Dans les mouvements de jeunesse, dans ce qu'on appelle les mouvements de la société civile, c'est bien, c'est pour la sensibilisation. Mais il faut transformer la sensibilisation en force de gouvernance. Donc, je mettrai à votre disposition à travers le laboratoire, l'interview que j'ai fait avec Confidentiel Afrique. Non, c'est pas une interview. Je crois que c'est 3 ou 4 pages, voire 5 pages, sur ce que nous pensons de la jeunesse, l'avenir de la jeunesse africaine. Donc, c'est un document qui a été fait par l'Institut Mandela à travers les deux. À travers les deux visioconférences que nous avons fait ensemble sur le penser la place de la femme et de la jeunesse en Afrique post-Covid, et puis le penser les enjeux de pouvoir en Afrique, double point, féminisation et rajeunissement des instances décisionnaires en Afrique. Donc c'est la synthèse de tout ça que j'ai fait un document de 3 ou 4 pages sur la jeunesse comme avenir de l'Afrique avec des propositions tout à fait claires et nettes. Donc comme le laboratoire a vos emails, bon, je pense que plus tard le laboratoire vous enverra ces éléments que je mettrai à disposition. Mais moi, j'encourage les jeunes à réussir deux choses. Pour avoir le pouvoir politique, il faut avoir le pouvoir économique. Le pouvoir économique s'acquiert, mais il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Parce que c'est le pouvoir économique qui soutient le pouvoir politique. Et donc, là, vous allez changer le socle des valeurs même. Parce qu'en Afrique, c'est le pouvoir politique qui soutient le pouvoir économique. Donc, on va en politique, non pas pour servir l'intérêt général, mais pour se servir, ce qui engendre la corruption, ce qui engendre le détournement, pour faire des champions économiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas des champions économiques, parce que c'est toujours l'économie de prédation. Donc, il faut renverser l'échelle de valeur pour aller sur la puissance économique. C'est-à-dire que si vous voulez s'engager bien en politique, bon, on n'est pas obligé tous de passer par là, mais au moins ceux qui vous soutiennent, qu'ils aient un retour, c'est normal, en termes de contrat public, en termes, mais d'une manière illégale, c'est normal. Mais il faut une autonomisation économique de la jeunesse. Et ce n'est pas, j'ai vu sur le site, sur le groupe de la jeunesse, maintenant c'est deux groupes d'ailleurs, mais de la même manière. Je sais que Eric Ndiendi est tout à fait sur un de ces groupes, ou voire les deux. C'est pour cela qu'il sourit, je le vois, mais merci. Je pense que il y avait une bonne idée d'un projet. Mais il y a un jeune qui a posé la question, je n'ai pas voulu intervenir, mais maintenant je profite pour le dire. Oui, mais comment financer ça? Non. C'est-à-dire que la question, nous nous sommes installés dans une logique de penser au financement avant de penser au projet. Quand vous avez un beau projet, vous ne pouvez pas manquer au financement. Et puis quand vous pensez au projet et que vous savez comment le mener, vous pouvez toujours y arriver sans financement. Je parle en connaissance de cause. L'Institut Mandela est connu. Nous avons des dotas et autre chose. Mais les gens pensent que nous gérons des millions alors que nous utilisons nos propres argent. C'est-à-dire que nous, pour être totalement indépendants, nous ne recevons pas jusqu'à présent subventions publiques ou privées. Mais parce que c'est ça
ce que, comment dirais-je, comme on appelle aujourd'hui, modèle business que nous avons fait. 5 ans, à part que nous les avons dépassés, parce que c'est depuis 2013-2014, 5 ans, phase de crédibilisation, nous faisons tout avec nos propres moyens, parce que nous avons des raisons importantes qui permettent d'avoir des interventions et des intervenants, comme certains l'ont vu, de haute qualité, sans dépenser aucun sou, premièrement. Deux, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit à l'Institut Mandela. Donc, tu vas faire quelque chose dès que tu trouves un intérêt ou dès que tu trouves le temps de disponibilité de le faire. Donc, il n'y a pas une obligation pour chaque membre. Trois, ce qui nous reste, c'est de déterminer les activités d'une manière commune. Nous ne sommes pas pour les réunions de tout le temps. Nous sommes pour l'efficacité. Celui qui propose quelque chose, c'est lui qui va amener le projet jusqu'au bout, premièrement. Et deux, dès que nous faisons un calendrier d'activité, on l'envoie à tout le monde. Au bout de 2 semaines, et il y a celui qui commente, l'autre voit, les autres voient. Et à la fin, on adopte le calendrier. Si on ne dit rien, c'est que le calendrier est adopté. Donc, c'est travailler d'une manière simpliste qui n'oblige que à trouver un petit moment pour consacrer, en dehors de vos activités, à l'activité associative. Bien. Et enfin, donc, dans cette période, ce qui nous incombe, c'est de trouver un lien. Et puis, on ne veut pas faire comme les autres, de trouver des liens qui n'incarnent pas l'Afrique. La plupart des conférences, en dehors de ce qu'on fait au Maroc, on le fait à Paris, c'est soit à l'Assemblée nationale, soit dans les mairies de Paris, et quand on le fait dans le privé, c'est soit sur Hôtel Marriott et Champs-Élysées, uniquement. Pourquoi? Parce que nous voulons une Afrique qui sorte des petites choses, qui vont dans des lieux, qui s'incarnent, qui se voient, une Afrique émergente, une Afrique puissante. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous représentons. Et à partir de là, dès que c'est dans le privé, ou ailleurs, même dans les salles de la mairie, parfois on paye. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit que ça coûte autant. Bon, chacun dit librement, je mets autant, dès que nous avons la somme, nous-mêmes, nous lançons l'activité. Parce que nous allons s'adresser à des pouvoirs publics, de hautes personnalités, la manière de faire. Donc la deuxième phase qu'on avait dit, c'était la phase de rentabilisation. Rentabilisation de nos acquis, rentabilisation de nos actions, rentabilisation de nos moyens. Et là, on se présente devant les partenaires, en disant, bon, voilà ce que nous avons fait avec nos propres moyens, voilà, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de l'économie, avec les journées économiques et conseillères africaines, voilà ce que nous avons fait. Avec vous, on fera les grandes choses, sans vous, on fera les grandes choses. Mais comme Mandela le disait, qui fait pour vous, sans vous, c'est créé contre vous. C'est à vous de choisir. Et ça, c'est 5 ans. Donc, à ce moment-là, si cette phase marche, on fera la phase de pérennisation. Si cette phase ne marche pas, ça fera 10 ans, on dira c'est notre contribution à l'Afrique, on passe à autre chose. On passe le relais aux autres. Parce qu'il y a d'autres jeunes, on a commencé jeune, maintenant on est plus jeune, il y a d'autres jeunes qui sont entreprenantes, qui ont d'autres idées, qui ont d'autres moyens de continuer l'action. Parce que nous sommes dans le domaine de la sensibilisation en disant, avant, quand on commençait, je vais finir par là peut-être, quand on commençait, la sécurité en Afrique était un tabou. Ici on nous tolère, je parlais en Occident, on nous tolère pour le dire, mais on ne peut rien faire. Si vous allez solliciter les subventions, c'est pour cela qu'on n'a pas voulu le faire. On va vous dire, mais là, c'est des questions très compliquées. Mais si vous allez dans le domaine critère, on va vous aider. Mais non seulement on vous dévie sur votre trajectoire. Vous n'allez pas parler de l'essentiel. Vous allez dans le... C'est pas que la critère n'est pas essentielle, mais vous allez dans d'autres domaines. Que, surtout, on vous oriente dans les domaines d'amusement public. Parce que c'est pour vous amuser les populations ici. Mais on vous finance pendant 10 ans
Après, on vous laisse tomber, non seulement vous avez laissé tomber votre idée, vous avez le projet n'est plus, et vous restez, vous êtes dans l'éternel recommencement de quelque chose qui n'aboutit pas. C'est pour cela que nous avons fixé ce cap de faire nous-mêmes pour montrer à quoi nous sommes capables. Et après, changer pour voir, mais les gens viennent sur notre vision. Et ce que je veux dire, c'est que tout simplement, nous avons pu faire l'entrée, parce qu'ici, on nous tolère pour parler de la sécurité, mais en Afrique, c'était le président de la République, uniquement, qui parlait de la sécurité. À la limite, le ministre de l'Intérieur, ou ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, quand il parlait de la sécurité, il ne parlait même pas à leur propre nom. Il disait, au nom du président de la République, sous l'inspiration du président de la République, maintenant, nous pouvons être fiers que la sécurité, avec les événements tragiques, malheureusement, de terrorisme, qui est un nouveau mode de domination par la terreur, qui s'installe progressivement en Afrique, je reviendrai un tout petit peu. Aujourd'hui, le débat est entré dans le domaine public. Et ça, c'est avec les autres, mais aussi c'est grâce à notre modeste participation. Et surtout que ces questions de sécurité doivent être saisies par les pouvoirs publics, mais la société civile, et surtout vous, la jeunesse, parce que vous serez victime doublement. Non seulement il y a un problème aujourd'hui d'éducation, il y a un problème aujourd'hui d'emploi pour la jeunesse, mais bientôt, tout le budget sera englouti par la sécurité, ce qui veut dire qu'encore les générations qui sont derrière vous n'auront pas d'éducation, parce que l'argent ira dans la sécurité. Encore, il n'y aura pas d'emploi, parce que tous les domaines sociaux seront oubliés pour consacrer sur la sécurité qui n'est pas assurée. Parce que si nous ne faisons pas attention, on peut toujours avoir le discours sur l'émergence de l'Afrique, sur la croissance à deux chiffres dans certains pays, sur l'asile CAF avec les échanges continentaux. Tout le monde dit bravo. Oui, d'accord, tout le monde dit bravo avec ces discours. Mais la sécurité précède le développement. Comment on va faire les échanges continentaux, bon, en dehors d'avoir des problèmes d'infrastructure? Merci, je vois que le président est arrivé. Sur ces questions, il y a 10 ans, le Sahel allait mieux. Il y a 5 ans, le Sahel allait mieux. Aujourd'hui, le Sahel va mal. Alors qu'il y a toutes les armées du monde, tous les pays, toutes les puissances, y compris la Chine, y compris la Russie, au travers des Nations Unies, y compris les pays africains, y compris les pays de la région, sont là, avec leurs militaires. Mais la situation s'empire. C'est qu'il y a un problème. En dehors de se poser des vraies questions qui financent le terrorisme et comment le terrorisme se développe, mais allons sur l'essentiel. Depuis 10 ans, nous voyons la situation se dégrader. Depuis 10 ans, on voit les dispositifs militaires du monde augmenter. Quelle inadéquation! Ça, c'est une question. Et puis, bon, on peut faire le discours, les échanges, mais vous allez faire les échanges comment? Avec un continent coupé en 4 morceaux par des axes terroristes jonchés par 3 plaques tectoniques terroristes. L'axe terroriste nord-sud, la Libye, Nigeria, qui coupe l'Afrique en deux, avec État islamique en Libye et Boko Haram, et qui s'échange des combattants, c'est comme ça, c'est pour cela qu'on appelle un axe. L'autre axe, c'est de la Mauritanie avec Hakimi et l'État islamique jusqu'en Somalie, et les Chebab qui s'échange des combattants entre-temps, dans cette zone aussi, les Chebab en Somalie. Donc l'Afrique est coupée en 4. Et si vous ajoutez, là ce sont des axes terroristes, si vous ajoutez 3 tectoniques djihadistes au Sinaï et en Libye, plutôt en Égypte, maintenant à Beni, en RDC, même si la situation n'est pas tout à fait claire là-bas, et à Cabo Delgado,
au nord du Mozambique, au sud de la Tanzanie. Vous voyez que l'Afrique est infectée par le terrorisme, par le djihadisme, et que ces gens-là s'installent sur les espaces stratégiques. Là où ils sont installés, c'est pas le désert. Il y a les minéraux, il y a le pétrole. Mais est-ce que... Donc vous comprenez que ce n'est pas un hasard, c'est plutôt un mode de domination par la terreur. Mais le problème, c'est que c'est la jeunesse qui sera doublement, voire quadriplement, comment dirais-je, doublement pénalisée. Parce qu'aujourd'hui, l'argent va vers la sécurité, au lieu d'aller sur les domaines économiques, sur les domaines sociaux, sur l'éducation. Donc c'est la jeunesse qui aura moins d'éducation, moins de moyens pour se développer, plus de chômage. Et je pense que nous devons faire attention avec ce problème de sécurité. La sécurité, le problème de sécurité ne s'arrête pas à la frontière. Le pays qui a joué longtemps avec cela, pendant 6 ans, quand ça s'est déversé chez lui, en connaît quelque chose. Bien, voilà. La jeunesse, tout le monde est d'accord pour dire que la jeunesse est l'avenir de l'Afrique, mais tout le monde ne fait rien pour assurer l'avenir de cette jeunesse dans cette Afrique. Alors qu'aujourd'hui, l'avenir de la jeunesse, c'est l'horizon de la jeunesse, c'est la Méditerranée qui est devenue le cimetière des jeunes Africains, comme nous voyons tous les jours. Ça, ce n'est pas l'horizon de la jeunesse africaine. L'horizon de la jeunesse africaine, c'est rester en Afrique. Parce que pour traverser la Méditerranée, on paye 5 000 à 10 000 dollars ou euros. Bien. Mais quelqu'un qui commence ce roman avec 1 000 dollars en Afrique, au bout de 5 ans, il peut être millionnaire. Pourquoi utiliser ces 5 000 avec un voyage incertain, tout en étant certain de ne pas arriver à destination? Pourquoi nous, parce que comme c'est la famille qui cotise dans certains pays, pourquoi la famille va cotiser pour t'envoyer à destination inconnue que de cotiser pour que tu commences à faire une activité avec moins de risques, avec plus d'accompagnement, qui te permet d'avoir les horizons dégagés? Ce sont aussi des questions que nous devons se poser, qui ne coûtent rien, qu'il faut que les gens doivent comprendre que tout le monde vit en Afrique, chercher la richesse. Mais les Africains vont ailleurs chercher quelque chose avec la problématique et qu'ils n'y arrivent pas. Hein? Donc nous sommes dans une situation complexe, mais l'autre chose c'est la géopolitique. La Chine vient chercher sa puissance en Afrique. Non, la Chine veut développer son économie avec les matières africaines, il vient chercher. La Turquie vient chercher, l'Inde vient chercher, l'Occident, l'Europe, les États-Unis viennent chercher. Mais nous, nous allons chercher où? Mais pourquoi tout le monde vient chercher les instruments de développement et que nous restons pauvres? Ça, c'est aussi une question qui interpelle la jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités de gouvernance. C'est-à-dire que nous devons, comme on le dit, au lieu d'aller en politique pour se servir, pour faire l'économie, il faut d'abord faire l'économie pour aller en politique, pour travailler pour l'intérêt général. Et comme je le disais, monsieur le directeur, je disais que j'ai fait une note de 3 ou 4 pages avec un journal de l'Afrique confidentielle. Je vais vous renvoyer comme ça, comme vous avez les emails, il y a des propositions qui sont dans ce document de 3 ou 4 pages, je ne me souviens pas, pour diffuser, pour voir ce que nous pensons dans le cadre de la jeunesse, premièrement. Et deuxième moment, je disais que c'est le résultat de 2 conférences communes que nous avons fait globalement quand j'ai fait l'interview avec le journaliste ou quand je lui ai fait une note, je ne me souviens pas.
Je me suis basé sur le laboratoire, l'Institut Mandela et l'école doctorale de gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient. Nous avons fait en commun avec repenser la place de la femme et de la jeunesse en Afrique post-Covid, et puis le penser les enjeux du pouvoir, féminisation et l'ajeunissement des instances publiques comme ça, qui forment globalement le socle de cette analyse sur l'avenir de la jeunesse africaine et que je mettrai à disposition juste tout à l'heure pour diffusion. Merci, Président. Merci bien, Président Kananoura. Merci pour cette présentation. Je remercie également Monsieur Najib Chaleureux qui a assuré la relève pendant que je n'étais pas là. Et je crois que c'est au tour de Monsieur Clovis de la Jeunesse mondiale francophone de prendre la parole. Président Clovis, vous avez la parole. Merci. Voilà, merci pour la parole nous accorder. J'espère que vous me suivez bien. Alors, je suis ravi pour la présentation. Déjà, en dehors d'être de la jeunesse mondiale francophone, je voudrais rappeler que je suis aussi membre du réseau panafricain des jeunes leaders. Donc, un nouveau réseau que nous avons mis ensemble avec plusieurs personnalités que j'ai mis en ligne, que j'ai salué en passant. Et mais si moi je dois juste intervenir, ça sera juste dans deux points. Et je voulais plus nous appeler en fait à la responsabilisation. Donc certes, nos autorités ont une grande partie pour la bonne marche des choses. Mais aussi, à notre niveau, nous avons une grande responsabilité parce que si les choses doivent bouger, ça doit être peut-être par nous que nous pouvons bousculer à ce que les choses bougent. Et je voudrais tout d'abord dire qu'au niveau africain, vous allez peut-être les remarquer, certes, l'Afrique a vraiment des défis énormes, mais vous allez plus voir que c'est l'Afrique centrale qui pose le plus de problèmes dans les cas de la CAC. Et donc, il est vraiment important que nous, au niveau de l'Afrique centrale, qu'on puisse essayer d'emboîter les pas des autres jeunes. Parce que vous allez voir, par exemple, les pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique du Sud avec l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana. Ce sont des pays qui, en sont, qui a une émergence. Si vous voyez du côté de l'Afrique du Nord, il y a aussi une bonne évolution, surtout sur les plans de développement. Mais quand vous entrez vers l'Afrique centrale, un peu l'Afrique occidentale, c'est là où nous constatons qu'il y a vraiment un réel retard, donc où les défis sont vraiment énormes. Et je pense les causes, comme vous parliez à un moment, la question qu'il fallait se poser, ce serait quoi les défis et les problèmes que nous avons, elles sont tellement multiples, ça, il peut y avoir des causes exogènes, mais moi je pense qu'il faut plus qu'on s'attelle sur l'aspect des causes endogènes, donc qui sont propres à nous. On peut bien travailler sur les causes exogènes un peu plus tard, mais il faudrait d'abord qu'à notre niveau, avant même d'accuser nos autorités par exemple, nous jeunes, qu'est-ce qui nous pousse en fait à ce que les choses n'avancent pas? Parce que si vous comparez à les autres jeunes, si vous mettez même le nombre de millionnaires juste en Afrique, vous comparez les jeunes, vous allez voir l'Afrique centrale est presque inexistante. Et donc, du coup, nous devons nous poser des questions, bien que la politique, en fait, au niveau de nos pays, peut poser problème, mais il y a aussi, je vais essayer peut-être de vous lister quelques petits problèmes que moi, j'ai pu lister, qui nous concernent directement, et j'aurais souhaité, comme on est entre nous, qu'on s'attelle d'abord plus sur les causes que nous-mêmes, nous pouvons résoudre. Et par après, nous pouvons maintenant prendre des stratégies pour voir comment nous pouvons essayer de résoudre les causes qui sont exogènes à nous, jeunesse, quoi. Donc, la première des choses, moi, j'ai l'impression que nous, jeunes de l'Afrique centrale, nous voulons la facilité. Donc, voilà, le docteur Paul le disait déjà à peine. Chez nous, c'est possible que quelqu'un accepte juste d'aller en Europe, il peut même vendre sa parcelle,
juste pour aller à, je ne sais pas, faire des sales boulots, mais il est incapable de commencer une petite activité dont nous voulons déjà avoir tout. Donc, vous voyez quelqu'un, par exemple, nous voulons tous faire la politique parce qu'on sait que là, on s'est fait l'argent facilement. À part ça, il y a ce qu'on appelle le népotisme. Dès que quelqu'un a un petit avantage, il favorise juste ses frères, il favorise ses amis en défaveur de la compétence. Et ça nous fait reculer. Autre problème que j'ai constaté chez nous, jeunes de l'Afrique centrale, c'est que nous sommes favorables à la corruption. Donc, dans cette facilité-là, nous sommes vraiment prêts à vouloir corrompre, soit pour réussir des classes, soit pour avoir une faveur, et on les fait rapidement, hein, tellement que des fois, ça on n'aime pas le travail dur. Un autre grand mal qui nous ronge, c'est que nous ne voulons pas l'unité dont nous rejetons le vivre ensemble. Donc, on aime faire des choses. Nous sommes selfish. Donc, quand tu veux commencer quelque chose, on ne veut pas s'associer. On ne veut pas travailler avec les autres. Pourtant, vous allez voir toutes les grandes entreprises, même les grands hommes, ils se sont associés pour faire des grandes choses. Et donc, du coup, si à notre niveau, nous ne prenons pas conscience qu'il faut que nous travaillions sur l'aspect du vivre ensemble, ça va nous poser énormément de problèmes. Alors, j'ai aussi intervenir par rapport à un aspect, à peut-être juste donner quelques pistes de solutions que nous pouvons faire rapidement. Ben, je sais tellement il y a beaucoup de mots, je ne saurais pas tout finir, mais je vais essayer de vous donner juste certains éléments clés que je pense que si nous les faisons, nous pouvons essayer d'apporter un plus pour l'Afrique. Premièrement, nous devons être conscients qu'il y a des mots qui rongent notre continent, surtout l'Afrique centrale, parce que généralement, on a l'impression de dire non, en Afrique, nous avons tout, tous les pays nous envient, voilà, l'émergence et tout. En Afrique, on a toutes les richesses, on a des rivières, on a des lacs, on a des ceci et tout. Mais en réalité, nous sommes parmi les derniers. Si vous voyez l'indice, l'IDH, l'indice de développement humain, donc l'Afrique est parmi les derniers pays au monde. En fait, les pays africains sont les derniers dans le monde, dans les classements. Vous allez voir presque les 10 derniers pays sont presque de l'Afrique centrale. Par la suite, nous devons revoir notre mindset collectif, mais aussi individuel, c'est-à-dire notre manière de réfléchir. Généralement, nous, Africains, comme je l'ai dit, nous aimons la facilité. Nous devons avoir une autre manière de réfléchir et surtout essayer de revoir, donner une bonne orientation sur notre système éducatif. Parce que comme vous le savez, l'éducation en Afrique, ça donne juste un aspect où on nous apprend plus à mémoriser les choses, et non, on n'est pas créatif, on ne sait pas créer des entreprises. Actuellement, on doit revoir par rapport, au lieu de, en fait, on nous apprend de Charlemagne, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça nous ajoute réellement? Parce qu'il faut que l'éducation soit même de résoudre des problèmes au niveau local. Donc, si tu es dans un village, après avoir fini tes études, il faut identifier les problèmes qui rongent ton village et tu apportes des solutions. Nous avons un problème de monnaie. Heureusement qu'il y a déjà, surtout à l'Afrique occidentale, il y a les CFA qui posent problème. On doit essayer de trouver peut-être une monnaie unique, pourquoi pas comme en Europe et aux États-Unis. Alors, l'aspect entrepreneurial, c'est vraiment important parce que jusque-là, nous avons une mauvaise compréhension de l'entrepreneuriat. L'environnement dans lequel nous agissons n'est pas favorable à l'entrepreneuriat, donc on doit revoir notre environnement, mais aussi il nous faut valoriser nos initiatives locales. Parce que généralement, vous allez voir en Afrique, quelqu'un, il a son entreprise, mais les gens ne viennent pas acheter. Ils préfèrent aller chez un Libanais, chez un expatrié chinois, que payer les marchandises de la fête locale de son ami et tout. Et du coup, ça nous freine. Mais aussi, nous devons transformer nos potentialités. Parce qu'on peut avoir quelque chose, vous voyez, vous avez le cacao, vous vendez votre cacao, mais ça vous revient en termes de chocolat plus cher, vous. Donc, du coup, ça ne crée pas de richesses et du coup, vous vous retrouvez, vous êtes en train d'acheter votre produit à plus cher. Et donc, de manière brève, il est important d'être d'abord solidaire. C'est pourquoi peut-être je vais demander à tous les jeunes qui sont là de rejoindre notre mouvement, parce qu'on a maintenant un réseau panafricain qui est en ligne. Dont je vois notre collègue Jude Mbina qui est avec nous et la plupart de nos membres sont là. Donc, ceux-là qui ne sont pas dans ces réseaux-là,
Nous vous invitons à nous fédérer, à nous mettre ensemble, parce que là, tous nos efforts, nous pouvons les canaliser ensemble et continuer les réflexions pour apporter des solutions à tous nos problèmes. Ainsi, j'ai dit, je vous remercie. Peut-être je pourrai intervenir un peu plus tard. OK, merci bien. Merci bien, docteur Clovis. Merci pour cette intervention. Et je crois qu'effectivement, comme vous l'avez dit en conclusion, dans votre conclusion, la jeunesse a besoin d'être solidaire. La jeunesse africaine a besoin d'être solidaire. J'ai eu le privilège de tourner en Europe, de tourner aux États-Unis et en Asie également. Et j'ai vu comment les jeunes européens, les jeunes américains et les jeunes asiatiques sont très, très solidaires. Donc, cet aspect, je tiens également à le préciser et à le renforcer. Il faut que nous puissions développer des mécanismes de solidarité. Nous ne pourrons pas favoriser, accompagner les processus d'intégration dans nos communautés si, à nos niveaux, nous ne sommes pas solidaires, si au niveau de ce que nous constituons comme société civile, nous ne sommes pas solidaires. Je crois que le docteur parlait également de la problématique de la transformation de nos matières premières. C'est une problématique fondamentale sur laquelle il serait bien que nous commencions déjà à réfléchir. Moi, je pense qu'après la solidarité sur laquelle il faut travailler, il faut que nous commencions maintenant à réfléchir sur comment est-ce que la jeunesse doit s'approprier les mécanismes de transformation de nos matières premières en vue d'une industrialisation. Le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey du 20 au 24 novembre se penchera sur la problématique de l'industrialisation de l'Afrique et du développement de nos économies. Donc, jusque-là, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Nous, au niveau du laboratoire, nous sommes en train de travailler, de voir dans quelle mesure faire des propositions concrètes et de voir également dans quelle mesure organiser un SAID event dans le cadre de ce sommet-là. Donc, c'est très important que nous puissions commencer déjà à réfléchir. Il y a peut-être des réflexions qui ont été menées par de grandes organisations comme la Banque africaine de développement qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Il y a probablement des recherches qui ont été faites ou des propositions qui sont déjà faites. Mais comment est-ce que la société civile, comment est-ce que les jeunes des organisations de la société civile s'approprient ces mécanismes-là et comment est-ce que nous positionnons pour faire des propositions concrètes à nos gouvernements? Parce qu'il ne suffit pas d'aller s'asseoir, il ne suffit pas que nos États prennent des décisions, que nos autorités prennent des décisions et nous restons là. Des décisions ont été prises depuis les années 80 où les processus d'intégration ont commencé, mais il y en a qui jusque-là n'ont pas encore été appliqués. Donc, je crois qu'il va falloir que nous prenions davantage nos responsabilités. Il a parlé également de la problématique de l'éducation. C'est crucial. Sans éducation, on ne peut rien. Les États-Unis, j'ai découvert, parce que quand je faisais mes voyages, je m'arrangeais toujours pour avoir un temps, soit 3 jours ou 2 jours ou 1 semaine, pour aller à la rencontre des organisations de la société civile des jeunes. Partout où je suis passé, dans tous les pays du monde où je suis passé, c'est l'un des travaux que j'ai eu à faire. Et je me suis rendu compte que les États-Unis se sont d'abord focalisés sur la problématique de l'énergie avant de s'accentuer sur la problématique de l'éducation. Et c'est pareil pratiquement pour les autres pays. Donc, je pense qu'il va falloir que nous puissions, dans notre stratégie de solidarité, que nous puissions définir des mécanismes. Ah, telle organisation, tel réseau travaille déjà, qui est une fédération d'organisations de jeunesse, à tel département, à tel département. Comment est-ce que telle autre organisation de la société civile qui travaille sur tel processus ou sur telle thématique précisément peut mettre les résultats de ses recherches ou son accompagnement à la disposition de ce grand réseau ou de cette grande organisation pour que nous puissions parler d'une même voix. C'est important. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense que c'est le docteur Aboukou qui devait prendre la parole. Je lui donne la parole.
Merci beaucoup, cher directeur, pour la parole. Alors, moi, je suis très ému de participer à cet échange très enrichissant, concernant la jeunesse, surtout, de l'Afrique centrale. Mais je crois que nos problèmes ne sont pas assez différents des autres sous-régions. Alors, je vais rapidement m'appuyer sur tout ce qui a été relaté par mes prédécesseurs qui ont été très enrichissants, en fait, qui ont brossé tous les grands secteurs de la vie, c'est-à-dire la politique avec le compatriote congolais du mouvement Lucha. Lui, s'est beaucoup axé sur la politique et le prof Kananoura qui s'est beaucoup axé sur l'économie, la sécurité, je crois bien la sécurité, tout à fait. Et puis, il y a Dr Clovis qui a listé quelques défis dont la jeunesse est confrontée. Et puis, le DE qui atterrit avec deux concepts qui m'ont beaucoup retenu, l'énergie et puis l'industrialisation. Pour ma part, j'étais toujours convaincu et je le deviens de plus en plus que le développement du pays, c'est la jeunesse, ça c'est vrai, mais ça ne passe pas par la politique. Comme un des philosophes l'a si bien dit, qu'on ne résout pas les problèmes avec ceux qui en sont à la base. C'est que j'épouse la vision du docteur qui a essayé de démontrer que, en fait, c'est l'économie qui doit dicter la politique et non l'inverse. Parce que quand c'est l'inverse, on y va à la politique beaucoup plus pour se servir et non se servir. Alors, d'emblée, moi, je comprends que dans tout ce qui a été listé comme différents secteurs de la vie avec différentes thématiques, donc je prends l'éducation, je prends plutôt la politique, l'éducation, la sécurité, l'industrie, l'énergie, la politique. Je crois que nous, jeunes, nous avons un problème de repères. Le vrai problème se situe au niveau des repères. Pourquoi? Parce que déjà avec la politique, je crois le prof Kananoura l'a déjà si bien dit, et moi je l'épouse énormément, c'est qu'il faudra comprendre déjà que ce sont les économies qui construisent ou qui dictent la politique. Et nous en sommes témoins. Je vais prendre juste un cas qui est très banal. C'est que plusieurs fois dans mon pays, et je crois que ça équivaut aussi à d'autres pays, nous avons suivi des tapages médiatiques sur l'interdiction de certains produits qui sont toxiques, notamment les liqueurs et certains autres denrées. Il y a un tapage médiatique qui se poursuit, et par la suite, plus rien ne s'est fait. Nous constatons, même nous qui habitons la cité, que les choses évoluent comme à la norme. Donc, avant les interdictions égale après les interdictions. Alors, pourquoi cela? Parce que 88% disons, de nos économies sont détenues par les expatriés. Donc, ça signifie que ces expatriés sont à mesure de dicter les politiques et que quand vous prenez telle décision, bon, vous aurez du mal à ajuster vos budgets moyennant les taxes et impôts que nous payons. Je crois que ça, on doit déjà comprendre ça, nous, jeunes. C'est que les politiques dictent, l'économie dicte les politiques. Et s'agissant de l'éducation, il y a un sérieux repère. Pourquoi? Il y a un sérieux problème de repère. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous qui avons fait les universités et les instituts supérieurs sommes privilégiés que ceux qui n'ont pas peut-être fait des grandes études. Et d'emblée, ça crée déjà un clivage au niveau de la société entre nous, les jeunes. C'est que ceux qui n'ont pas eu peut-être cette faveur de poursuivre des études se sentent marginalisés. Et puis, il y a certains concepts qui se créent, les étudiants, les non-étudiants, les lettrés, les illettrés.
Et nous pensons que ce sont ces termes qui suffisent pour qu'on se dise que nous, nous sommes cette catégorie ou cette classe de jeunesse capable de conduire le pays au développement, alors que ça s'avère très faux. D'ailleurs, nous en avons la preuve avec le secteur de l'entrepreneuriat. C'est pour la plupart ceux qui ont fait moins des études qui sont pour la plupart des grands entrepreneurs, sans pour autant dire que l'éducation n'est pas importante. Mais je crois que c'est un repère qu'il faut... Il y a un nombre de repères qu'on doit essayer de bien agencer ou de restructurer au niveau de l'éducation pour que ça ne crée pas de clivage entre nous jeunes déjà. Parce que, voilà, pour ne pas trop m'étaler sur ça. Et notamment, en ce qui concerne le développement, c'est qu'avec le développement, il y a des termes qui existent et qui construisent des repères au niveau de la jeunesse. Nous pensons que nous qui sommes dans le secteur public, donc le secteur formel, nous sommes davantage productifs que ceux qui sont dans l'informel. Alors que 80% de nos économies, donc des ménages, proviennent du secteur informel. Et je crois que ce sont des concepts ou des repères qu'il faudra revoir pour que nous soyons à mesure, nous jeunes, de pouvoir nous construire. Parce que ceux qui sont dans les secteurs informels, certainement, dans une certaine mesure, s'ils sont accompagnés, s'ils sont assistés, je crois que les choses se passeront autrement. Et puis, s'ils sont décomplexés, parce que quand on est complexé, on pense que ceux qui sont dans les secteurs formels sont plus productifs, alors que dans la réalité, ce n'est pas toujours ça. Inutile peut-être que je puisse avancer bon nombre d'exemples, sinon ça pourra peut-être me prendre trop de temps dans mon discours. Et puis, je prendrai d'emblée la sécurité, l'industrie et puis l'énergie, pour ne pas monopoliser la parole. J'ai dit ça une fois lors de mes interventions dans le forum, que ce sont les fumées des industries qui peuvent remplacer les fumées des armes. La plupart des armes retentissent beaucoup plus dans nos provinces ou dans nos communautés. En fait, c'est là aussi que proviennent l'essentiel des matières qui sont consommées par les citadins, nous qui sommes citadins, et consommées aussi par les Occidentaux ou ceux de l'Orient, donc les multinationales. Donc, en réalité, l'industrie, si nous devons nous construire au nom de l'industrie, nous devons nous baser sur la configuration de nos communautés. Parce que la communauté X n'a pas les mêmes matières que la communauté Y ni la communauté Z, et non plus ne dispose des mêmes intelligences que la communauté X ou Y. Donc, l'industrie doit se définir au nom de la géostratégie. Donc, c'est en fonction de la structure de nos communautés que nous serons à mesure de bâtir des industries, et les fumées des industries facilement remplaceront les fumées des armes, parce que quand on n'a pas assez d'économie, on sera toujours défaillant au niveau de la sécurité. Car pour nous, la sécurité est prise au même titre que les autres services sociaux, la santé, l'éducation, où nous nous sommes basés sur le domaine des aides et des dons. Et nous pensons que même pour la sécurité, ça marchera toujours ainsi. C'est que les armes, nous devons être dotés en armes et en munitions. Ce qui m'écœure, parfois c'est applaudi par les gens de la mouvance de mon pays. Nous pensons que nous pouvons en faire autant pour la sécurité. Nous devons disposer, nous devons doter nos communautés des industries pour avoir assez de capitaux et freiner même l'exode rural. En freinant l'exode rural, les personnes ou les populations vont se concentrer au sein de nos communautés, puisqu'il y aura de l'emploi, il y aura de la circulation monétaire. Et je crois que c'est cette alternative qui suffira pour taire davantage les fumées des armes. Mais l'industrie doit être précédée par l'énergie. Et l'énergie, aujourd'hui, il existe plusieurs formes d'énergie. Et l'Afrique a tous ses potentiels. Et même l'apprentissage de la fabrication ou de la création de ces différentes énergies est devenu possible parce qu'il y a légion des Africains aujourd'hui
qui sont en train de créer beaucoup de formes d'énergie. J'en ai vu au Gabon, même j'en ai vu au Nigeria, des jeunes qui sont en train de créer des différentes formes d'énergie. Alors, tout ça peut être capitalisé pour réussir l'industrie au niveau de nos communautés. Et cela suffira pour nous doter d'assez d'économies pour assurer notre sécurité et aussi changer certains paradigmes pour décomplexer certains jeunes afin de faciliter déjà la fédération, la mise en commun dans nos pays et puis au niveau régional et continental, faciliter l'intégration. Merci, merci bien, docteur. Pas beaucoup. Je voudrais quand même rappeler que notre thématique porte sur la jeunesse et l'intégration, les droits et devoirs. Et l'objectif principal de cet événement est que chacun puisse s'exprimer, que nous puissions faire un certain nombre de propositions qui vont permettre à nos autorités politico-administratives de mieux nous écouter et de mieux d'être sensibles en fait aux propositions de la jeunesse qui est pratiquement la première à savoir de quoi elle a besoin et comment elle pense que son avenir pourrait se préparer. Je voudrais également dire que les processus d'intégration pour les évaluer. Je crois que l'un des premiers critères, c'est la libre circulation. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui au niveau de notre espace, l'Afrique centrale? Où est-ce que nous en sommes concrètement par rapport à la libre circulation des personnes et des biens? Où est-ce que nous en sommes par rapport à l'homologation de nos diplômes? Un étudiant camerounais qui vient étudier au Gabon, lorsqu'il repart au Cameroun, est-ce que son diplôme est reconnu? Un étudiant de la RDC qui étudie au Congo, lorsqu'il retourne chez lui, est-ce que son diplôme est reconnu ou est-ce qu'il est obligé de refaire des tracasseries avant de voir son diplôme reconnu pour pouvoir aller sur le marché de l'emploi? Il faut qu'au sorti de notre événement de ce jour, nous puissions ressortir avec des thématiques précises. Je remercie encore le conseiller Akwala, le conseiller du président de la République du Congo qui est présent en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEAC pour sa disponibilité à remettre le rapport de notre événement à Monsieur le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEAC. N'hésitez pas, la parole est à qui veut la prendre, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau de notre espace, au niveau de cet espace qui nous réunit, de l'Afrique centrale, nous avons un certain nombre, les jeunes ont un certain nombre de difficultés. Les jeunes ont un certain nombre de difficultés, dont, entre autres, comme je le notifiais tout à l'heure, la problématique de la libre circulation. Est-ce qu'il est permis facilement à un ressortissant de la RDC de se rendre facilement au Cameroun? Est-ce qu'il est permis facilement à un ressortissant ou à un étudiant, à un jeune étudiant du Gabon de se rendre en RDC ou de se rendre au Tchad sans visa? C'est vrai qu'il y a aujourd'hui la CEMAC, il y a la libre circulation, le processus de libre circulation qui est avancé. Il y a le passeport, je crois, CEMAC aujourd'hui. Mais est-ce que la réalité est effective? Est-ce que cette libre circulation est effective? Comment est-ce que nous, jeunes, comment nous devons nous positionner? Quelle stratégie nous devons mettre en place pour que ce processus devient une réalité? Comment est-ce que nous allons y arriver, chers jeunes? Comment est-ce que la libre circulation des jeunes, des personnes et des biens, particulièrement des étudiants, des entrepreneurs, dans l'espace CEAC, doit être une réalité? Au-delà de ça, comment est-ce que dans notre espace, comment est-ce que les jeunes entrepreneurs qui sont déjà actifs ou qui sont à la quête
à la recherche de financement. Comment est-ce que nous devons travailler pour que ces jeunes-là puissent avoir des financements? Il n'y a pas de décision dans nos États aujourd'hui qui oblige les opérateurs économiques, qui oblige les banques à mettre à la disposition des jeunes qui veulent s'auto-employer, qui veulent auto-entreprendre des capitaux. Cette décision n'existe pas. Sur d'autres continents, ça existe. Parce que les opérateurs économiques, ils font des bénéfices. Les banques particulièrement font des bénéfices. Mais pourquoi ne pas proposer à nos gouvernants, à nos autorités, qui nous disent chaque jour qu'ils pensent à nous, qu'ils prennent des décisions en nos faveurs. Mais trouvons les moyens. Mettons-nous ensemble, comme l'a dit le docteur Clovis tout à l'heure, et assumons nos responsabilités pour que les générations à venir, les jeunes, dans 5, dans 10 ans, ne puissent pas se retrouver dans cette situation-là. Nous, au niveau du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, le conseiller Akuala du président de la République du Congo l'a dit, nous avons saisi le président avant même qu'il ne devienne président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEAC. Nous lui avons écrit, nous avons sollicité son parrainage et nous avons fait des propositions. Nous continuons de faire des propositions à nos chefs d'État. Et je profite pour remercier tous ceux et toutes celles-là qui nous accompagnent pour que nos dossiers puissent arriver sur la table de ces chefs d'État. Mes chers jeunes compatriotes de l'Afrique centrale, il faut que nous soyons plus actifs. Il faut que nous soyons plus actifs sur certaines questions. Le docteur Clovis et le docteur Aboukou ont parlé de la problématique de l'éducation. Mais est-ce que nos programmes cadrent avec la réalité? Est-ce que nos programmes cadrent avec ce qui nous attend? Comme je le disais, la parole est à qui veut la prendre. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je profite à mon niveau pour faire passer mes propositions et pour faire passer également mes remarques, mes observations. Si nous restons là à nous dire voici, si nous restons là, nous ne sommes pas aussi actifs qu'il le faut, mais nous allons subir et les générations à venir vont également subir. Il faut que nous puissions arrêter ça. Comment est-ce que nous devons travailler pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises et pour amener nos autorités politico-administratives à prendre des décisions? Nous sommes en train de batailler dur aujourd'hui avec la CEAC pour que à chaque conférence des chefs d'État et avant même la conférence, avant les sommets des chefs d'État, que les jeunes de l'Afrique centrale soient associés aux réunions des experts qui se tiennent. Que des jeunes soient associés aux réunions des experts qui se tiennent. Que les jeunes soient associés à la conférence des ministres. Que des jeunes participent à cette conférence-là et que nous puissions aller avec des dossiers. Mais nous n'irons pas bras ballants. Nous devons aller avec des dossiers. Nous devons d'abord être ensemble, nous devons être unis, que ce soit au niveau de nos conseils nationaux de jeunesse, que ce soit des autres organisations de jeunesse, que ce soit des organisations comme le laboratoire de recherche et d'action diplomatique qui fait dans la recherche et dans l'action diplomatique. Nous devons travailler dans l'unité. Nous devons avoir des plans d'action concrets chaque année. Et s'il le faut, nous retrouver. Nous sommes en train de batailler depuis pratiquement un an pour qu'il y ait les assises des jeunes de l'Afrique centrale. Il y a pas mal de blocages, mais je vous assure que par la grâce de Dieu, ça va se tenir. Que les gens le veuillent ou non, par la grâce de Dieu, ça va se tenir. Parce qu'il faut que les choses avancent. Nous ne parlerons pas toujours de la CDAO, ce ne sera pas tout le temps la CDAO qui sera chef de file. Ce ne sera pas les jeunes de l'Union européenne qui viendront bâtir l'Afrique centrale. Nous avons énormément de ressources, nous avons énormément de recherches chez nous. Nous avons énormément de talents. Je vois la main de Madame Mouzandi. Je crois que c'est Madame, j'espère que je ne me trompe pas. La parole est à Madame Mouzandi. Bonjour, et voilà, je suis du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo. J'ai suivi les différentes interventions. Je vois vraiment qu'il y a de la matière et voilà, je suis vraiment fière de cette jeunesse, consciente des enjeux de l'heure et voilà, orientée vers le changement.
Alors, mon intervention portera sur trois points. Premièrement, sur ce qui est de l'éducation. Eh ben, j'ai entendu bien avant moi un monsieur qui a évoqué l'éducation du système francophone. Il faudrait vraiment se poser la question parce que l'éducation, c'est le gros. C'est le gros. Et là, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Mandela en rapport avec l'éducation, comme quoi c'est l'arme la plus efficace capable de changer le monde. En comparant les zones anglophones, les zones francophones, on peut bel et bien se rendre compte que la zone francophone accuse un réel retard par rapport aux espaces anglophones. Et cela, c'est aussi un problème éducationnel. Notre système d'éducation ne permet pas ou ne facilite pas l'intégration en milieu professionnel, si pas, pour ne pas dire qu'il est encore ancré dans les racines du colonialisme, si je peux le dire comme tel. Pourquoi ? J'ai évolué dans un système anglophone, alors je vous dirais que le contenu déjà des cours, il est différent. Notre système éducatif ne permet pas ce que les personnes formées puissent émerger en milieu professionnel, et cela doit être revu. En ce qui concerne la CEAC, j'aimerais vraiment poser une question. Pensez-vous que toutes ces organisations, du moins celles-ci, ont-elles, depuis leur existence, je peux le dire, ont-elles apporté quelque chose de nouveau pour le développement de l'Afrique? C'est un peu comme l'Union africaine. Je dirais, sans remettre en cause les efforts de ces organisations régionales, il faut se poser des questions. Comment des pays membres d'une même organisation parviennent à se faire la guerre? Et là, du coup, j'aborde la situation présente qui se passe en République démocratique du Congo, où dans cette matinée, il y a eu une incursion des armées rwandaises sur le territoire congolais. Alors, lorsque vous parlez de la libre circulation, lorsque vous parlez des échanges, lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat, pensez-vous que dans un tel contexte où les États membres d'une même structure se font la guerre, est-ce qu'une politique de développement commun pourrait-il aboutir? C'est la question que j'aimerais vraiment se poser. Parce que des pays membres au sein d'une même organisation qui prônent un certain développement collectif, mais parviennent à se faire la guerre. Et quant au terrorisme qui se vit en Afrique, c'est vraiment une question, c'est un enjeu. En tant que sous-communauté, quels sont les mécanismes de sécurité arrêtés afin de pallier à ces problèmes? Je ne vais pas aborder la CEDEAO parce que j'y suis pas. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'Afrique centrale parce que voilà, mon pays, il y est. Et c'est la question que je pose à tout un chacun de nous. Pensez-vous, dans un contexte où des membres d'une même organisation se font la guerre, pensez-vous vraiment que nous parviendrons à un développement ou devrions-nous encore crier à l'aide ou appel à la communauté internationale? Cela doit aussi nous interpeller. Comme le modèle des pays occidentaux, je pense que les organisations sont faites pour promouvoir le développement et non pour s'entretuer ou bien servir l'impérialiste, si je peux le dire. L'Africain doit se surpasser. En ce qui concerne la jeunesse à la table des négociations, ça je l'ai noté et tout, et ben, le dîner politique, le disait souvent un aîné, c'est l'un des festins où on n'appelle personne. Nos autorités politiques ne font pas preuve d'un certain vouloir. Je peux dire, se pose un problème de volonté politique. Parce que je suis membre de la charte de la jeunesse de l'Union africaine, allais-je dire. Bah, des traités ont été signés. Et chaque pays respectif a un ministère de la jeunesse, de la condition féminine, où il y a des cahiers des charges propres pour les problèmes de la jeunesse. Mais qu'en est-il de cela? Moi, je pense qu'il se pose un problème de volonté politique. Et aussi à nous jeunes, n'attendons toujours pas qu'on nous appelle, parce que le rendez-vous politique, c'est un festin où les invitations ne sont pas lancées à tout le monde. Des fois, on doit se faire violence. Donc, il faut se faire violence, il faut être dans l'engagement politique, et puis, voilà, il faut se lancer dans tous les secteurs selon que l'on veut. Entrepreneuriat, activisme, voilà, c'est un peu ce que j'allais dire. Et voilà, en ce qui concerne la sous-région, j'ai déjà évoqué les problèmes. Nos organisations doivent redéfinir leur cahier de charges parce que ce n'est pas normal qu'au sein d'une organisation, des pays soient en perpétuel conflit, RDC, Soudan, patati patata. Je pense que cela voilà, ne nous rend pas la tâche facile. Soit c'est un mensonge de notre part, on essaie de faire semblant tout en sachant qu'on n'est pas ensemble, voilà, et du coup, ça ne profite à rien. Donc, aussi longtemps que
ces guerres internes persisteront et bien l'Afrique restera toujours à la traîne. Donc, c'est un peu ça mon intervention. Merci. Merci. Merci bien, Madame Mouzandi. Je crois que vous avez posé des problèmes cruciaux et comme je le disais tout à l'heure, il nous appartient à nous jeunes. Il nous appartient à nos générations montantes de commencer maintenant par poser les bases pour régler ces problèmes-là. Parce que il serait difficile, à mon humble avis, à nos autorités en place aujourd'hui de parvenir à les régler. S'ils n'ont pas pu le faire, si ceux qui les ont précédés n'ont pas pu le faire, moi, j'en viens toujours à poser la question, est-ce qu'ils se sont préparés à cela? Parce que une chose est de se préparer à assumer des responsabilités, à assumer une fonction, et une autre est de ne pas se préparer, de venir, hein, parce qu'on a voulu assumer cette fonction, parce qu'on a voulu faire de la politique, on l'a fait, on a accédé à cette fonction, et voilà, on déroule le tablier comme on le veut, ou on se laisse imposer un certain nombre de leadership, un certain nombre de décisions, ou de comment gouverner, de comment gérer. Donc, il nous revient à nous, jeunes, de commencer maintenant à prendre un certain nombre de dispositions. Nos pères qui sont aujourd'hui aux affaires, comme on le dit souvent, mais ils ont été jeunes comme nous, ils ont milité. Lorsque je regarde ces chefs d'État, lorsque je regarde ceux qui sont ministres aujourd'hui, mais c'est des gens qui ont été jeunes. Et on dit que le pouvoir change, le pouvoir transforme. Mais quel était leur véritable idéal? Quelle était leur véritable base? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'ils se sont préparés à gouverner techniquement, sur le plan technique? Est-ce qu'ils se sont préparés à gouverner? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est l'une des raisons d'être de notre laboratoire, à nous, de notre organisation. C'est ce que nous voulons apporter. Il faut que les gens se préparent. Nous, nous ne sommes pas contre la politique. Les jeunes sont obligés de faire la politique. Mais la politique, il faut la faire autrement. Il faut la faire autrement. Merci, en tout cas, nous avons pris en considération votre intervention. Je vois la main de M. Mouankani levée. M. Mouankani. Alors, déjà, je remercie le LARAD, parce que lorsque j'ai vu votre annonce, ça m'a fait beaucoup de bien, je vous assure, vous n'imaginez pas à quel point. Et j'aimerais entrer tout de suite. Bon, j'aimerais aussi remercier Madame Son Excellence, le vice-président, qui a accepté de parrainer cet événement, même si elle n'est pas là. Et ça me réjouit énormément, fortement, d'échanger, parce que c'est la première fois que ça m'arrive dans un tel cadre, et le niveau est assez bon, d'échanger avec mes sœurs et mes frères centraux. J'entends par centraux les citoyens d'Afrique centrale. Il y a tout un pan de la jeunesse, la CEAC qui ignore totalement que moi, par exemple, qui suis de la partie occidentale des frontières de la CEAC, et lui qui est à l'extrême est, appartenant à une même communauté. Donc, ces rencontres se multiplient. Et puis, j'aimerais enchaîner tout de suite en parlant de sécurité, pas comme un expert de sécurité, mais pour répondre à ma sœur congolaise de tout à l'heure. Elle disait comment appartenir à une même communauté alors qu'on s'agresse. Alors, vous savez, c'est comme des problèmes de famille. Lorsque des parents ne s'entendent plus, les enfants doivent continuer à se fréquenter parce que l'espoir viendra peut-être d'eux. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Lagrange, lorsque vous dites que nos gouvernants actuels ne peuvent pas faire maintenant ce qu'ils n'ont pas fait depuis. Ce sont les jeunes, donc nous actuellement, qui avons le pouvoir de changer les choses, parce que c'est nous qui sommes l'avenir. Donc, c'est en échangeant entre nous, que nous pourrons faire en sorte de construire une CEAC, une zone d'Afrique centrale totalement débarrassée des conflits, des agressions mutuelles, etc. Vraiment que les dirigeants prennent la question sécuritaire à bras le corps, Parce que tout ce que nous souhaitons, ok, c'est bien. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, est-ce qu'on se rend compte que l'Afrique centrale est engagée au Sahel, dans le G5 Sahel, puisque nous avons un pays membre engagé là-bas, c'est le Tchad. Donc,
Pourquoi nous abandonnons le Tchad seul face à cette question du terrorisme qui ne fait que gangréner, qui ne fait que descendre vers nous? Aujourd'hui, le Cameroun, mon cher voisin, bon, ce n'est pas le même type de conflit, mais est aussi en proie à un autre type de conflit. Il y a la RDC qui est là depuis 20 ans, ça a assez duré. Il y a la Centrafrique. Donc vraiment, que nos 11 pays membres règlent cette question, s'assiedent pour essayer de réfléchir vraiment à comment résoudre cette question sécuritaire une fois pour toutes, parce que autant, tant que les Occidentaux ou les personnes extérieures arriveront pour faire ce boulot-là à notre place, ce sera toujours à leurs conditions. Toujours à leurs conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les minéraux, ça veut dire les matières premières, ça veut dire. Alors qu'entre nous-mêmes, si nous réglons ces questions sécuritaires, nous pourrons développer notre sous-région à notre manière. Autre chose, je remercie énormément, c'était le premier intervenant après Jude Mbina, monsieur Jude Mbina. C'est un phénix de la lucha. Un phénix nous disait qu'il faut un jumelage. Et là, je suis en parfaite harmonie avec cette proposition-là parce qu'il nous faut des échanges. Il nous faut des échanges. Comme ça se fait en Union européenne, il faut copier uniquement ce qui est bien. C'est-à-dire, moi, du Gabon, j'ai envie d'aller en Centrafrique, découvrir les Centrafricains. Les jeunes Centrafricains, qu'ils aillent découvrir les jeunes Congolais. Les jeunes Congolais aillent au Rwanda. C'est ce que je veux. Et c'est ce qu'il nous faut pour faire tomber les préjugés, les idées reçues, pour faire tomber et pour se sentir concerné par les problèmes des autres. Parce que écoute, mettre les infos tous les jours et apprendre, bon, ok, en Centrafrique, ça baisse un peu, mais apprendre que tous les jours que Dieu fait, des Congolais se font tuer, moi, sérieusement, ça m'affecte dans ma chair. C'est cela que nous devons régler. Donc, j'aimerais aussi parler, là maintenant je suis dans la culture, je vous proposais l'apprentissage des langues étrangères, c'est-à-dire les langues voisines. Que l'on ne le veuille ou non, l'intégration, le libre-échange s'impose à nous. Ça vient. Et nous ne devons pas être surpris par ce processus-là. C'est-à-dire, on peut prendre le temps de retarder comme nous voulons, mais regardez, la ZLECAF a déjà été signée et ratifiée par la grande majorité des États africains. Donc, le libre-échange va arriver, s'impose à nous. Et nous devons donc être préparés, pas surpris. Moi, j'ai envie d'apprendre à parler portugais. J'ai envie d'apprendre à parler le Lingala, le Swahili, le Sango. J'ai envie d'apprendre à parler espagnol parce que ce sont les langues qu'on parle chez mes voisins. Ça ne m'intéresse pas d'aller apprendre à parler espagnol en Espagne, parler comme un espagnol. Non, je veux parler l'espagnol comme un équato-guinéen le parle parce que c'est mon voisin. Je veux apprendre le Lingala parce que c'est la langue commerciale quand on est à Kinshasa. Pourquoi je fais cette proposition-là? Parce que ça, c'est un point économique. Il faut qu'on apprenne à saisir les opportunités. Lorsque les autres viendront à nous, ben, il faudra aussi qu'on aille à la conquête des autres. Lorsque nous irons à leur conquête, qu'est-ce que nous allons leur dire? Qu'est-ce que nous allons leur proposer? C'est-à-dire, il faudra qu'on prenne tout un temps à apprendre à ceci. Ah non, ça ne peut plus durer. Et je propose également la création d'une section, merci Monsieur Lagrange pour cette proposition, pour cette opportunité que vous nous donnez. Vous avez dit que les jeunes sont souvent absents du processus de prise de décision. Ben, commençons par entrer à la CEAC. Il faut toute une cellule de jeunes à la CEAC. Il faut une cellule qui parle non seulement aux jeunes, mais en plus aux communautés rurales, parce que nos zones frontalières sont essentiellement rurales. C'est ce qu'il nous faut. Et ensuite, je parlerai du Sisiba. Le Sisiba c'est le Centre international des civilisations bantoues qui regroupe plusieurs pays, mais qui jusqu'aujourd'hui, bon, le Sisiba, je ne sais même pas comment le qualifier. À l'origine, c'est une belle œuvre. Mais bon, il faut relancer le Sisiba, mais en intro, c'est-à-dire en associant fortement les jeunes. Ma danse, j'ai envie de la faire découvrir au monde, tout comme j'ai envie de découvrir comment on appelle le Mutuashi. Je veux savoir comment un Angolais vit, je veux savoir comment un Congolais vit, comment un Rwandais vit. Nous allons nous développer également par nos cultures, en gardant nos identités. Qui sommes-nous?
Nous sommes des Bantous, d'accord, mais qui sommes-nous? Comment vivons-nous? C'est nous, les jeunes, qui allons porter ces projets-là. C'est entre nos mains. Les papas, ils ont fini. Les mamans, ils ont fini. Tout ce qu'ils font là, moi, je me dis que c'est assurer les affaires courantes. Et c'est vraiment à nous de faire les choses. Et je vais peut-être terminer par là. Nos devoirs, à mon avis, bon, nous avons des droits, ok, mais je vais m'appesantir sur les devoirs parce qu'il faut d'abord faire ses devoirs avant de réclamer ses droits. Nos devoirs, j'ai envie de dire, dépendront de nos dirigeants. Je m'explique. Pas qu'ils sont... Je m'explique un peu. En fait, nous sommes les enfants. C'est-à-dire tous les ressortissants d'un pays sont les enfants. Et les parents, ce sont les gouvernants. Dans chaque maison, les parents ont le devoir, l'obligation d'éduquer l'enfant, de lui donner tous les outils qu'il faut pour qu'il réussisse dehors, pour qu'il soit meilleur dans ceci, dans cela. Ensuite, lorsqu'à un moment donné, l'enfant, quand il aura atteint la majorité, il quittera le foyer familial, donc il ira dehors. Le dehors, là, c'est notre espace commun, là, la CEAC. Moi, je vais quitter le Gabon pour aller ailleurs. Qu'est-ce que mes dirigeants m'ont donné comme outil pour aller à la conquête, par exemple, de l'Angola, pour aller à la conquête de la RDC, du Tchad, etc. Mais si j'ai été mal éduqué, si j'ai été mal formé, ben, c'est le parent qui a honte. Mais si, au contraire, on m'a donné tous les outils qu'il faut pour aller exceller ailleurs, dans ce cas-là, on fait moins de délinquants. C'est-à-dire, si je suis allé au Cameroun, je ne sais pas, que je suis devenu un homme d'affaires prospère, que voilà, je suis un Gabonais qui est arrivé au Cameroun et qui fait la fierté de son pays. Ben, le parent est content. Vous envoyez vos enfants en vacances chez votre frère. Ben, si on vous dit que votre enfant est un petit voleur et tout, ben, la honte, c'est à vous, hein. Et etc. C'est-à-dire, je parle des frontières nationales d'abord, mais puis supranationales, c'est-à-dire les frontières de la CEAC. Quand un ressortissant de la CEAC se retrouve en Europe, en Asie, en Amérique latine, qu'il soit bon, qu'il soit exemplaire. Nous devons revenir aux valeurs. Donc, pardon d'avoir été long et pardon encore pour les désagréments causés. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Merci également pour tout ce que j'apprends depuis ce matin. Merci à chacun et à chacune. Je continue d'être à votre écoute. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci bien, Monsieur Naïkouagé, je disais. Vos propositions et votre intervention ont été reçues 5 sur 5. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous puissions être actifs. Vous venez encore de le dire, nous avons besoin d'être actifs et très actifs, de sortir en fait de l'ornière. Et vous avez évoqué un sujet important sur lequel nous sommes en train de travailler. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin de vous. C'est vrai que nous n'affichons pas, nous ne faisons pas assez de publications sur ce que nous faisons, mais nous sommes en train de bâtir petit à petit quelque chose. Les jeunes doivent être à la CEAC. Vous avez parlé d'entrer à la CEAC. Effectivement, il y a un service jeunesse à la CEAC. Mais les jeunes de l'espace CEAC doivent savoir qui sont ceux qui animent ce service-là. Il faut que nous puissions aller les déranger parce que c'est bien beau. Nos pays contribuent. Hein? Nos pays paient, même si c'est peut-être en retard des fois, nos pays paient leurs contributions. Et ces contributions-là, ce sont nos richesses. C'est nous qui payons en fait ces contributions-là. Nos autorités ne font que porter nos voix. Donc, il faut que nous puissions savoir, nous, organisations de la société civile, nous, jeunes, nous puissions savoir qui sont ceux et celles qui animent les services qui s'occupent des questions de jeunesse au niveau de la CEAC. Et il faut que nous puissions aller loin, que nous puissions leur faire des propositions pour dire, écoutez, ceux et celles qui doivent animer ces services-là, nous reconnaissons que vous les avez recrutés depuis, mais il faut pouvoir maintenant associer les jeunes de cet espace-là, hein, pour que ces jeunes-là aussi participent à cette animation
de ce service-là, que ce service soit dirigé par des jeunes, que ce soit des jeunes de l'espace qui soient recrutés, et s'il faut mettre en place un mécanisme, hein, un mécanisme de consultation ou un mécanisme de recrutement de façon tournante d'organisation de la société civile pour avoir des représentants au sein de ces départements, il le faut. Nous avons fait toutes ces propositions-là et comme je vous disais, nous allons continuer à batailler pour que ces propositions finissent par être prises en compte. Merci infiniment, Monsieur Naïkouagé. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je donne la parole à Monsieur Mawakani. Monsieur Mawakani, je vois votre main levée. Je vous remercie d'être avec nous. Vous avez la parole. Apparemment. Merci beaucoup et je voudrais d'emblée présenter toutes mes excuses à l'ensemble des participants pour la qualité de la connexion qui d'ailleurs ne m'a pas permis d'être au pas. Mais rassurez-vous que j'écoutais pas à pas les gens qui intervenaient sur ce sujet. Moi, je voulais qu'on revienne un peu sur le thème central, notamment jeunesse et intégration, devoirs et droits. Alors, avant d'aborder ces deux concepts, il est important de parler de la corrélation droit et devoir. Il faut dire que le pourvoyeur principal des droits dans un État, c'est irréfutablement l'État ou dans une communauté. Et donc, en revanche, la jeunesse a des devoirs vis-à-vis de celui-ci. En parlant des droits, nous pouvons également épingler un certain nombre de droits, notamment le droit à la santé, le droit à l'éducation et à la formation. Bon, déjà, dans ce contexte, il faut dire que le droit à l'éducation l'éducation de qualité et à la formation intègre la création et le développement du capital humain, ce qui n'est pas à négliger. Cependant, dans le contexte précis, il faut dire que nous pouvons également évoquer le droit aux facteurs de facilitation. Notamment, j'ai suivi l'intervention des participants qui disaient que dans nos États, nous n'avons pas des banques qui accompagnent, bien entendu, les entrepreneurs jeunes qui veulent entreprendre dans plusieurs domaines. Mais je vais là parler de mon pays, par exemple. Nous avons depuis plusieurs mois une institution financière qui a vu le jour sous l'impulsion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, le FIGA, qui est le Fonds d'impulsion et de garantie pour les entreprises, d'accompagnement des entreprises. Ce fonds consiste éventuellement à garantir, n'est-ce pas, tout entrepreneur qui souhaiterait avoir du crédit dans une banque, qui bien évidemment devrait avoir présenté un projet bancable auprès de la banque. Et donc, ce fonds arrive pour apporter de la garantie, permettre à ce que les banques accompagnent bien entendu ces entrepreneurs. Et ça, c'est une avancée assez importante qu'il faut souligner. Et donc, dans ce contexte, moi, je pense que nos États devraient tenter de profiter. Vous me suivez là? Si, nous vous suivons 5 sur 5. Voilà. Donc, je dis que dans ce contexte, je pense que nos États devraient quand même suivre ce genre d'exemple. Hier, oui, il faut dire que ce fonds est arrivé simplement parce que nous avons constaté que plusieurs entrepreneurs dans le domaine des PME, plusieurs entrepreneurs avaient du mal à accéder au crédit de financement. Et il faut dire que dans nos États africains, les banques n'ont pas cette culture-là de financer les jeunes entreprises. Et donc, il fallait bien entendu réfléchir sur un mécanisme pour permettre à ce que ces banques-là puissent apporter de l'aide, permettre à ce que ces entreprises se créent. Bon, il y a aussi un intervenant qui a parlé de, je vais parler en termes du concept de gouvernance intergénérationnelle, qui est déjà au nom une sorte de gouvernance, un mode de gouvernance dans notre pays qui a vu le jour depuis plusieurs années. Il faut dire que dans notre État, en République du Congo, les jeunes participent à la gestion de la chose publique. Et ça, c'est palpable. Vous allez voir dans toutes les structures d'État, dans toutes les institutions de la République, ben, rassurez-vous que dans la composition du corps ou de ceux qui dirigent éventuellement ces structures, il y a des jeunes. Moi qui vous parle, je suis éventuellement membre du secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse.
institution constitutionnelle de notre pays. Donc, il y a des années en arrière, ça n'existait pas, mais avec, il faut dire, un peu plus de volonté de notre président, ben, les jeunes ont commencé aujourd'hui à participer dans les sphères de prise de décision et élaborent éventuellement des politiques. Parce que là, par exemple, nous sommes dans le cadre du Programme national de développement, nous sommes en train de participer à l'élaboration du programme 2022-2026, et vous allez voir que dans le cadre de cette élaboration, il y a des jeunes qui participent et qui sont associés pour éventuellement apporter leur lumière dans leur expertise dans ces politiques-là. Donc, il faut plutôt encourager d'autres États à emboîter le pas, parce que les jeunes, vous l'aviez dit, c'est la relève de demain. Mais dans quel contexte on devrait garantir cette relève-là? Si la formation n'est pas au rendez-vous, si le droit à la santé n'est pas, parce qu'il faut dire qu'un jeune mal soigné ne peut pas garantir, bien entendu, un rendement meilleur dans le cadre de la gestion. Et donc, il faut à cela appuyer, mettre un accent sur la qualité des soins de santé qui sont donnés dans deux États. Voilà un peu comment je voulais quand même intervenir, parce que j'avais à ce moment-là des difficultés pour intervenir, hein, pour aborder ces concepts-là, lorsque j'étais en train de parler, mais j'avais comme l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Mais là, j'ai quand même pu régler ma situation de caméra, et je voulais quand même avancer ce genre de propos. Merci. Je reste entièrement disponible. Je reste entièrement disponible. Parce que pour ce qui est des devoirs, il faut dire que dans notre pays, je pourrais épingler, trois types de plans qui intègrent un peu plus ou moins les devoirs dans notre République. Je vais m'appuyer sur le plan politique. Le plan politique, je l'ai dit tantôt, les efforts sont en train d'être menés pour que finalement les jeunes aient une place importante dans les sphères de prise de décision. Au volet économique, il s'agit là aussi de la participation des jeunes dans la diversification de l'économie. Les jeunes sont là en train de se mobiliser dans la création des entreprises avec les facilitations que je venais d'évoquer. Il y a aussi le secteur industriel qui est en train de prendre du volume, parce que dans notre pays, je l'ai peut-être pas souligné, nous avons les zones économiques spéciales qui sont en train de voir le jour sous peu, et tout ceci par naturellement l'impulsion de notre président. J'ai cité le président Denis Sassou Nguesso qui, dans ses politiques visant à industrialiser le pays, s'est appuyé à créer des zones économiques spéciales. Et ces zones sont déjà en phase terminale. Hein. Nous sommes là d'ailleurs dans le cadre de ces zones en train d'attendre, de rechercher des développeurs pour qu'éventuellement ceci puisse nous permettre de mettre en musique tout cela. Voilà un peu ce que je tenais quand même à dire sur ces aspects. Mais je crois que chemin faisant, nous allons ensemble tenter d'apporter d'autres éléments de réponse. Merci. Merci. Merci, 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 Monsieur Mawakani, pour cette intervention qui vient nous éclairer et qui vient également nous donner plus de précision sur le cas de la République du Congo. Je suis très heureux d'entendre que en République du Congo, le Conseil consultatif de la jeunesse est devenu un organe constitutionnel. C'est très important. Au même titre que tous les organes institutionnels. Voilà. C'est un grand pas, c'est une grande avancée, parce que sans fondement solide, l'on ne peut rien bâtir. Le fait que cette organisation soit une entité constitutionnelle oblige l'État à un certain nombre d'engagement et un certain nombre de résultats, et engage également la jeunesse en question. Donc, je me réjouis. Vous comprenez par là que le concept gouvernance intergénérationnelle a tout son sens. Tout à fait. C'est palpable, voyez-vous, parce que les jeunes, éventuellement, aux côtés des vieux, participent à la gestion de la chose publique. Et ça,
c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer et encourager de la part de nos dirigeants. Si, si. Et je dirais que c'est à juste titre. J'ai eu le privilège il y a quelques années de rencontrer son Excellence le président Denis Sassou Nguesso et d'avoir un peu sa vision de la jeunesse pour les décennies à venir. Et c'est à ce titre-là que nous avons sollicité son parrainage dans le cadre des travaux et du lancement de ce laboratoire-là. Et je suis heureux d'apprendre qu'aujourd'hui, il y a un fonds de garantie pour accompagner les entrepreneurs du Congo. Je suis très heureux d'apprendre cela. Et le président Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEAC, et comme je le disais au début, je suis heureux de ce qui a eu toutes ces avancées-là dans son pays. Ceci vient davantage nous fortifier et nous amener à nous rendre davantage à l'évidence que nous n'avons pas fait un mauvais choix. Nous n'avons pas fait un mauvais choix en ce sens qu'il faille que les choses changent en Afrique centrale. Que non seulement les choses changent, mais comme l'a dit M. Mawakani, que nous puissions véritablement connaître nos devoirs. Je pense qu'il serait également bien que nous améliorons en fait nos propositions ou que nous ayons un certain nombre de propositions concrètes. Étant entendu que nous venons d'apprendre du modèle du Congo, est-ce qu'il ne serait pas bien que nous puissions proposer à nos autres États, comme le disait tout à l'heure également M. Na, de suivre le Congo dans cette dynamique? Ça va participer à l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse. Parce que si dans les 11 pays de la CEAC, il peut avoir un fonds de garantie pour accompagner les entrepreneurs, je pense que ce serait un grand touffe de soulagement. Si les 11 pays de la CEAC peuvent rendre constitutionnel leur organe consultatif de la jeunesse, le rendre opérationnel et le dépolitiser, mais qu'est-ce que n'aurions-nous pas avancé, chers frères? Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vois la main de M. Mbina Jude Chaleureux. Je vous remercie, M. Mawakani, et nous allons rester en contact avec vous pour que vous puissiez nous aider à améliorer nos propositions et à également renforcer les actions que nous menons au niveau de nos pays et particulièrement de la CEAC. Merci bien, M. Mawakani. M. Mbina, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur exécutif. Et je remercie aussi tous les intervenants qui nous ont bien sûr enrichis par leurs pensées. Et j'aimerais dire en entrée que la société est philosophiquement parlant divisée en trois grandes catégories. Donc, il y a ceux qui pensent, ceux qui exécutent et ceux qui contrôlent. Et aujourd'hui, par exemple, nous faisons office de penseurs. Demain, certainement, nous serons des exécutants. Et si prêt à Dieu, dans les jours à venir ou dans les années à venir, nous serons des contrôleurs. Et pour cela, il faudrait bien sûr qu'à ces trois niveaux de la société, nous soyons compétents et nous ayons de la morale. Nous avons, lorsque j'ai écouté les intervenants précédents, nous avons parlé de beaucoup d'aspects, donc économiques, sportifs, l'aspect entrepreneurial, l'aspect politique, etc. Mais toutes ces propositions ou toutes ces intelligences ne pourront réellement pas se développer sans l'état de la morale. Donc, nous avons bien sûr l'aspect compétence, mais j'aimerais aussi que nous voyons un peu cet aspect moral. Et pour parler de ce point, j'aimerais donc définir ou faire une proposition. Dans beaucoup d'États, ils pensent aujourd'hui à repenser la morale de l'élitisme. Donc l'élitisme, la jeune élite méritocratique et la jeune élite médiocratique. Aujourd'hui, un des fléaux de notre continent, c'est que les jeunes qui représentent aujourd'hui la jeunesse sont plus immoraux et incompétents. Et un penseur le disait, tâchez de ne rien vouloir au-dessus de vos possibilités ou de vos capacités.
Et quels que soient les différents domaines que nous ayons pu évoquer, est-ce que réellement nous avons les compétences morales qu'il faudra pour cela? Aujourd'hui, on parle d'égalité sociale, d'égalité voilà, au niveau de la jeunesse, mais aujourd'hui, on voit même que ces jeunes aujourd'hui qui sont présentés en fait par nos autorités sont des jeunes issus de leur parti. Ce ne sont pas réellement des jeunes qui représentent la jeunesse lambda. Il faudrait que l'égalité soit réelle et il faudrait recommander justement à nos autorités de créer une élite méritocratique, d'arrêter ou de ne plus créer une élite méritocratique artificielle sans véritable compétence affirmée et appropriée. Aujourd'hui, la médiocratie et l'immoralité gagnent du terrain. Avec tout ce qu'on appelle les gabegies financières, gaspillage inutile, etc. Et l'intelligence aujourd'hui est de détecter les anomalies et de faire les propositions. Et j'apprécie justement chaque intervenant qui, au-delà des anomalies détectées, a pu faire des propositions. Un des plus grands fléaux de l'Afrique est la faillite du système moral. Que ce soit dans le domaine politique, même dans le domaine religieux, le domaine entrepreneurial, aujourd'hui, l'un des plus gros fléaux de l'Afrique, et l'Afrique en souffre, c'est la faillite du système moral. Il faudrait donc que la morale de l'élite soit à repenser. La morale de l'élite aujourd'hui est faible, l'éthique est faible. Quelles sont mes propositions? Je vais prendre l'exemple de la Finlande qui aujourd'hui valorise d'abord les valeurs morales que les valeurs intellectuelles. Ils prennent plus de temps aujourd'hui à former leurs élites, plus sur les aspects moraux que les aspects de compétences. Et lorsqu'on regarde la Finlande dans le classement justement mondial, au niveau des économies et d'un meilleur vivre, la Finlande est classée parmi les meilleurs pays. La Finlande a le meilleur système anti-corruption. Pourquoi? Parce que depuis l'école primaire, le lycée, il y a plus d'accent mis sur les valeurs morales que l'enrichissement. Nous savons qu'un des plus grands fléaux de l'Afrique, surtout en Afrique centrale, c'est la corruption. Comment lutter contre la corruption? C'est bien sûr en intégrant dans les programmes scolaires des programmes justement sur le redressement de l'éthique et de la morale. Donc voici mon intervention. Le problème aujourd'hui se retrouve au niveau des faillites morales. Nous pouvons avoir beaucoup d'idées en ce qui concerne les entreprises, la création d'entreprises. Nous pouvons avoir beaucoup d'idées en ce qui concerne le redressement du domaine sanitaire. On voit même aujourd'hui dans le domaine sanitaire, il y a un gros problème de moralité. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux populations? Si l'élite ne pense pas à redresser la morale de la jeunesse africaine, malgré nos nombreuses propositions et compétences, nous n'irons pas loin. Je vous remercie. Merci bien, M. Mbila. Merci pour cette intervention. Merci pour cette proposition. Et effectivement, comme vous l'avez dit, je crois que nous avons aussi ce problème-là sur lequel il serait bien que notre génération se penche. Le problème de la morale, quelle est la qualité de notre morale? Et comme vous l'avez si bien dit, nous avons effectivement ce mal qui gangrène particulièrement notre espace, c'est la corruption. Comment est-ce qu'il faut mettre en place, comment est-ce qu'il faudra arriver à avoir une morale, je ne sais pas s'il faut dire de qualité, ou une meilleure morale, que les principaux acteurs, aussi bien présents que nous sommes, et futurs, puissent bénéficier de fondations concrètes, de fondations solides du système, de nos systèmes moraux. Merci pour cette riche contribution. La parole est à qui veut la prendre. Merci une fois de plus, Monsieur le Directeur et
le chef de file et tous les participants y compris. Pour être concret, puisque nous sommes dans la logique non de la critique destructive, mais dans la critique constructive, dans le sens d'avancer beaucoup plus les propositions qui pourront participer à la construction de nos États, ainsi que l'intégration. Moi, je veux plus m'attarder sur mes devoirs. Pourquoi? Parce que j'essaye de citer un petit piège qui guette nos systèmes, surtout concernant nos droits que nous réclamons parfois à tort et à travers, et jusque même à prendre de l'ampleur au dehors de nos frontières continentales. Je prends le cas avec l'éducation dans mon pays. C'est que pour que l'éducation soit gratuite, afin de donner un nombre assez important d'accès à l'éducation, il faudra annuellement consommer autour de 1 à 2 milliards de dollars. La volonté y est, mais les moyens ne suivent pas, à telle enseigne que nous sommes obligés d'aller demander au niveau des institutions financières internationales, et nous savons très souvent comment ça finit avec la logique des intérêts. Mais nous ne voyons pas où peut-être le piège se situe. C'est que notre économie, comme je l'avais dit précédemment, est fondée à 98% des étrangers. Ce n'est pas pour caricaturer, mais ça a un impact sur notre économie, sur la contribution des recettes de l'État pour pouvoir financer les domaines où nous réclamons pour beaucoup plus en termes de droits, notamment l'éducation et la santé. Mais aussi longtemps, nos économies seront détenues par les autres, moins par nous-mêmes, les compatriotes. Je crois que nous irons toujours de réclamation en réclamation, de contestation en contestation. Et ça n'arrangera rien. C'est comme ça, moi, je suis beaucoup plus dans la logique des devoirs. En voyant ou en indexant avec le peu de nous avons acquis, ce que nous pouvons faire pour nos pays, afin de doter aux politiques suffisamment de moyens afin de remplir bon nombre de droits que nous exigeons. Je parle donc d'un concept, le patriotisme économique. Moi, en tant que jeune, je préfère peut-être m'inscrire dans la logique de la malbouffe qui contribue à l'économie d'un expatrié qui voit beaucoup plus les intérêts de son pays, moins peut-être que les nôtres. En laissant peut-être ce que nos compatriotes produisent avec des maigres moyens. Et nous savons que tout ça, ça a un impact très significatif au niveau de la santé, sur le plan sanitaire. Puisque ça ne provient pas de moi, mais ce sont les institutions internationales qui nous gouvernent ou qui régulent au niveau de la santé. Ce sont aussi les sociétés savantes et les publications internationales qui accusent à chaque instant, c'est que beaucoup de produits manufacturés sont à la base de la détérioration de notre santé ou de notre santé. Donc, ça signifie que je suis en train de contribuer en appauvrissant d'abord les caisses de l'État qui sont censées soutenir les services sociaux, mais aussi je participe encore à la détérioration de ma propre santé pendant que les statistiques disent que nous vivons à près de 1,5 $. Donc, ça signifie que soutenir déjà la santé, ce sera compliqué. Alors, je crois pour nous, ce que nous avons comme premier devoir,
c'est d'abord de cultiver le patriotisme économique. Et c'est un concept que nous, jeunes, nous pouvons nous accepter là et le mener au niveau des institutions supérieures, tout en le cultivant déjà au niveau de la société civile. Parce que c'est la sensibilisation qui pousse à l'action. Et l'action, toute action, comme on dit, est un investissement. Donc, ça signifie si nous changeons notre façon de faire les choses, si nous changeons notre façon de participer à l'économie de notre pays, c'est un investissement que nous sommes en train de faire afin que nous soyons à mesure d'exiger et d'obtenir nos droits lorsque nous allons l'exiger. Donc, quand nous allons exiger la scolarité, quand nous allons exiger la couverture sanitaire, nous serons à droit de le faire parce que nous contribuons suffisamment au fonctionnement de l'État. Donc, ça, c'est une première proposition que moi, je pense que qui cadre dans la logique de nos devoirs, nous, en tant que citoyens. Alors, s'il faudra prendre ça dans le cas, dans le volet de ceux qui nous gouvernent, donc les politiques, que représente ma société que je crée en agroalimentaire par rapport à une multinationale qui produit à l'échelle internationale? D'abord, c'est une concurrence qui est très déloyale et ça ne profite pas seulement, ça ne détruit pas seulement nous, les producteurs locaux, mais ça impacte aussi les recettes fiscales pour pouvoir que nos États doivent être assez courageux pour prendre des décisions afin de protéger les productions ou les entreprises locales en prenant des décisions. L'importation doit être en fonction de ce que nous produisons. Ce que nous produisons déjà de manière locale, nous pouvons restreindre cette importation parce qu'on ne peut pas la supprimer totalement puisque nous sommes régis aussi par la libre-échange, pas seulement dans la sphère continentale, mais aussi dans la sphère intercontinentale. Donc, je prends ça, c'est du côté de nos devoirs, ce que nous sommes censés faire, ce que nous pouvons déjà cultiver à notre niveau et qui peut réussir déjà à moindre frais. Je ne pense pas que promouvoir le patriotisme économique nous exigera assez de financement pour pouvoir réussir ça. Donc, je crois que ça, c'est ma contribution que je peux déjà apporter sur le volet proposition en ce qui concerne nos droits, mais beaucoup plus nos devoirs en tant que citoyens. Merci. Merci bien, monsieur. Merci, docteur Aboukou. Nous avons enregistré des participants des communautés amies de la CDAO, des communautés amies, et nous avons monsieur Pasiké Maleki, qui est effectivement de cette communauté, qui est du Togo. En attendant que monsieur Pasiké Maleki soit prêt, monsieur Savadogo, vous avez la parole. Merci. Bonjour à l'ensemble des participants. Je suis Hippolyte Savadogo du Burkina Faso. Rien de particulier, c'est juste encourager l'initiative, dire que nous sommes en train de suivre de façon parallèle et ensemble, on pourra vraiment voir comment, au niveau de l'Afrique de l'Ouest aussi, on peut quand même travailler à ce que la réflexion soit africaine. Voilà. Et en ce moment, on pourra vraiment mieux impacter notre continent. C'était vraiment d'encourager l'activité et s'il y a quelque chose, nous restons vraiment disponibles à implémenter les mêmes initiatives au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Je parle au niveau du Burkina Faso. Merci. Merci, monsieur Savadogo, pour ce privilège que vous nous faites d'être avec nous. Bien que n'étant de l'espace CEAC, vous avez bien voulu être avec nous. Merci pour vos mots d'encouragement, merci pour votre disponibilité
Et je crois qu'il est, impératif que les jeunes, que ce soit du centre, de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, puissent se serrer les coudes, puissent se donner la main d'association pour favoriser ce processus d'intégration que nous souhaitons tant, qui certainement va améliorer non seulement les conditions de la jeunesse, mais les conditions des peuples africains. Merci infiniment et n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. Nous ne manquerons pas d'entrer en contact avec vous pour voir comment, comme vous l'avez dit, implémenter cette dynamique également en Afrique de l'Ouest. Merci, M. Sarwadi. C'est vrai que j'ai été très rapide. J'ai oublié de me présenter complètement. Donc, en une seconde. Donc, moi, j'interviens au niveau de l'incubation. Donc, je suis un accompagnateur des porteurs d'idées de projet. Donc, je suis au niveau de Burkina Business Incubator. Donc, à partir de notre plateforme Facebook, vous pouvez peut-être constater, on a accompagné pas mal de jeunes à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà installés. Et actuellement, on est en train d'accompagner pas mal de jeunes également. Je suis promoteur aussi d'un cabinet dont nous formons et nous assistons vraiment à l'ensemble des entreprises. Donc, de façon brève, ça me permet déjà d'avoir un certain nombre de contacts pour changer sur les pratiques des autres pays. Merci. Merci infiniment, M. Savadogo. Vous êtes le bienvenu. Je revois la main de M. Mawakani. Oui, M. Mawakani, vous avez la parole. Cet espace devrait en fait nous permettre à nos États d'intensifier nos échanges, c'est-à-dire de promouvoir à travers ces échanges nos ressources naturelles. D'où l'intérêt d'opter pour une industrialisation, hein, parce que bon, après, il faut dire que c'est vrai, nous sommes pour certains États en train de prendre, d'aborder cette question d'industrialisation, mais avec beaucoup de légèreté. Le cas, par exemple, du Congo, qui, depuis un moment, s'est lancé dans les, je l'ai dit tantôt, dans les zones économiques spéciales. Il faut dire que le but principal, c'est de transformer localement nos produits et permettre à ce qu'un produit qui, aujourd'hui, est fabriqué au Congo, puisse être consommé, par exemple, au Gabon. Un produit qui est fabriqué en RDC puisse être consommé, par exemple, au Tchad. Voyez-vous ? Et cela permet justement de fructifier nos marchés et d'intensifier nos échanges sur nos produits. Alors, j'ai bien envie d'aborder aussi le volet environnemental. Parce qu'il faut dire que les jeunes, nous jeunes, avons un peu un regard désintéressé sur des questions environnementales. Or, il s'avère que nous devons nous imprégner de cette notion de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes. Pour permettre à ce que le bassin du Congo, qui couvre autour de 4 millions de kilomètres carrés, puisse abriter. Il y a un problème de connexion au niveau de M. Mawakani. Et comme je le disais, je voudrais encore rappeler que nous souhaiterons entendre également les autres participants, particulièrement ceux des pays qui n'ont pas encore pris la parole depuis le matin. Et à la suite de ce tour de table, nous allons revenir sur les préoccupations ou les propositions qui nous ont été envoyées via les fiches et les formulaires que nous avons souhaité que les participants remplissent. Nous allons revenir dessus. Et suite à cela, si entre-temps, monsieur le conseiller à la jeunesse et au sport du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC nous revenait, s'il nous revenait, nous lui donnerons la parole, après quoi nous donnerons la parole à M. Mbina pour faire un résumé de nos principales interventions, pour retracer les grandes lignes de nos principales interventions. Et suite à cela, si le docteur Paul Kananoura, qui a été jeune,
qui a été jeune et qui a eu le privilège de diriger l'association des stagiaires étudiants africains en France et qui aujourd'hui travaille sur plusieurs volets, aussi bien sécuritaire, diplomatique, économique que de gouvernance. S'il est encore avec nous, il prendra la parole une dernière fois au cours de cet événement avant que le privilège ne me revienne de fermer notre réunion de ce jour, de dire le mot de remerciement et de fin de notre événement de ce jour, qui ne serait pas un au revoir, mais qui serait une ouverture sur toutes les autres initiatives, que ce soit du LARAD ou d'autres organisations, dans le cadre des processus d'intégration, dans le cadre de l'amélioration des conditions des jeunes de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général. Nous avons beaucoup de talents, nous avons beaucoup de richesses. Donc, Monsieur Naï Kouagé, vous avez la parole. Merci bien. OK. Bien, Monsieur le directeur, puisque nos échanges tirent à leur fin, alors, le meeting de ce matin a été de bonne facture. Vraiment, je vous prie, puisque vous avez dit que vous allez harmoniser les propositions pour les transmettre à nos autorités, à nous. Vraiment, je vous prie qu'un plan d'action nous revienne. En fait, faites-moi un feedback de grâce. Pourquoi je bénis vraiment mille fois cette rencontre? Parce que à un moment, je me suis lassé de l'inertie qui entoure notre zone. Et vraiment, 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 il est temps, et ce réveil arrive par vous, il est temps que les choses bougent un peu. Il est vraiment temps. Donc, merci encore pour l'occasion que vous nous avez offert d'échanger. Merci parce que moi, vous m'avez permis d'écouter les autres. Et j'espère que nous nous reverrons très prochainement. Merci bien, M. Naï Kouagé. Je vous remercie infiniment pour la qualité de votre intervention et pour avoir bien voulu prendre part à cet événement. Et je rappelle qu'il y aura un rapport qui sera élaboré en bonne et due forme. Et avant ce rapport, nous allons créer un groupe WhatsApp de toutes les personnes qui se sont inscrites et également les personnes qui ont participé à cet événement. Dans ce groupe, le projet de rapport sera mis, le premier draft de rapport sera introduit dès qu'il sera prêt pour que chacun et chacune puisse apporter des amendements avant que nous ne transmettions le rapport au directorat du LARAD et le directorat se chargera de le transmettre au conseil d'orientation qui va le valider. Et suite à cela, ce rapport sera transmis aux autorités politico-administratives de notre espace et aux partenaires techniques financiers. Donc, ne vous en faites pas. Non seulement nous allons demeurer en contact, nous ne manquerons pas d'étaler, c'est-à-dire de ressortir les propositions de chacune et de chacun, comme cela a été notifié. Certaines seront certainement améliorer, mais les interventions de chacune et de chacun seront prises en considération. Nous sommes dans une dynamique, comme nous l'avons dit, il faut que nous puissions vraiment prendre nos responsabilités, assumer nos devoirs, les exercer convenablement, connaître nos droits et faire tout ce que nous pouvons pour que nos autorités politico-administratives nous écoute mieux. Et comme je le disais tantôt, nous avons reçu un certain nombre de propositions. Nous avons reçu en tout une vingtaine, sinon plus d'une vingtaine de propositions. Si nous les regroupons, nous avons essayé de regrouper les propositions qui je ne sais pas s'il faut dire, qui disent la même chose, qui tendent vers la même chose. Et au nom de cette proposition,
où au nom de ces questions, ce sont à la fois des propositions et des questions. Et nous, nous sommes beaucoup plus appuyés, appesantis sur les questions, et sur les propositions, sur certaines propositions que nous avons reformulées en question. Donc, est-ce que la CEAC a prévu contribuer à l'éducation des jeunes, à l'entrepreneuriat et au financement des projets des jeunes? Si oui, comment? Comment la CEAC envisage mettre en place et favoriser les politiques de libre-échange et de circulation des entrepreneurs de l'espace? La CEAC a-t-elle prévu de mettre en place un cadre efficace pour permettre aux jeunes de la sous-région de se retrouver pour discuter sur leur rôle dans le processus de développement de la sous-région et surtout réfléchir sur une véritable intégration qui concourt à la préservation de nos valeurs culturelles et l'accélération du développement à travers la jeunesse pour un véritable développement durable de l'Afrique en général et centrale en particulier? Il va falloir accepter la jeunesse comme acteur majeur et non plus comme simple bénéficiaire ou victime des politiques publiques. Est-ce que nous devons nous attendre à ce que la CEAC accepte et prenne la jeunesse comme un acteur majeur d'intégration et de développement, qu'elle consulte régulièrement et largement, ou comme un simple bénéficiaire qui doit juste subir ce qu'elle décidera pour elle sans la consulter? Quelqu'un d'autre, j'ai appris qu'il y a un service jeunesse à la CEAC. Que fait réellement ce service? Qui sont les responsables et membres de ce service? Sont-ils des jeunes? Comment est-ce que la CEAC, à travers ce service, envisage permettre ou aider à l'autonomisation de la jeunesse de l'espace? Comment la CEAC travaille ou travaillera à faire reculer le chômage des jeunes à travers la création d'emplois et l'appui aux jeunes entrepreneurs, notamment du secteur agricole, qui est un secteur porteur? Comment la CEAC œuvre pour une éducation de qualité pour l'enfance et la jeunesse afin d'atteindre l'objectif du développement durable numéro 4 à travers la construction d'écoles, la formation des enseignants et l'amélioration des conditions de leur travail? Comment la CEAC écoute la jeunesse et quels jeunes elle écoute? Pourquoi la CEAC d'associé n'invite pas les jeunes dans les rencontres et réunions qu'elle organise? N'est-il pas temps d'associer les jeunes aux différents processus décisionnels? À quand l'effectivité de la mobilité régionale par la libre circulation des élèves, étudiants et autres de la zone CEAC? La définition et la mise en place des normes communes pour l'accès à l'Internet et au numérique de manière générale dans l'espace CEAC? L'harmonisation et la reconnaissance des diplômes universitaires dans l'espace CEAC? Le libre marché entre les PME de la zone par l'établissement d'un cadre incitatif? Quand est-ce que la CEAC va adopter et tendre vers la promotion d'une CEAC des peuples, des valeurs et du destin? À quand l'industrialisation des process de transformation? La CEAC pourra-t-elle mettre en place une politique qui permettra aux jeunes d'avoir plus facilement accès à des stages au sein des administrations publiques et privées? Comment la CEAC fait participer les jeunes aux initiatives et actions de prise de décision, aussi bien communautaires que dans les pays membres respectifs? Pourquoi la CEAC n'organise-t-elle pas régulièrement des projets ou programmes de formation des jeunes sur l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, puisque nos pays n'arrivent plus à recruter? Pourquoi la CEAC n'organise-t-elle pas au profit de la jeunesse des ateliers ou projets de sensibilisation sur leur rôle dans la production de la richesse ou d'opportunités, surtout au sein de nos différentes communautés rurales en priorité? L'avenir de la jeunesse ne peut plus se décider sans elle, sans les vraies données du terrain, détenues par les communautés, particulièrement par les jeunes elles-mêmes. Pourquoi la CEAC et autres organisations préfèrent se baser sur des données ramenées par des experts nationaux ou internationaux au lieu de travailler avec la jeunesse elle-même? Est-ce que la CEAC fait-elle des recherches avant cette prise de décision, notamment celles qui concernent les jeunes? Si oui, pourquoi les résultats de ces recherches ne sont-elles pas publiés? Sinon, qu'elle le fasse désormais. Pourquoi la CEAC ne fait-elle pas la promotion des startups? N'est-il pas temps de travailler sur une politique d'insertion professionnelle de la jeunesse de l'Afrique centrale? La CEAC a-t-elle un programme de bourse au profit des jeunes de la CEAC? Sinon, pourquoi?
pourquoi ne pas mettre en place un programme communautaire qui travaillera à recruter chaque année des jeunes de 18 à 35 ans pour l'obtention des bourses de formation dans le domaine du numérique et de l'agriculture durable pour une durée de 6 mois, suivi d'un stage d'intégration d'une durée allant de 4 semaines à 6 mois, sanctionné d'un rapport et d'un business plan de chaque jeune participant. Que fait concrètement la CEAC dans les domaines de la culture et du sport, particulièrement au profit de la jeunesse? Mesdames et messieurs, voilà un peu les questions et les propositions que nous avons recensées, que nous avons regroupées et que nous avons préalablement transmises à son Excellence, Madame la Vice-Présidente de la Commission de la CEAC, qui devrait être parmi nous, et qui, à la dernière minute, a eu une urgence et a promis, je le rappelle, a promis qu'il y aura une deuxième partie de cet événement auquel elle assistera, parce qu'elle tient, elle a été très touchée du résultat de notre enquête qui disait que les jeunes se plaignent de ce qu'ils ne sont pas écoutés, de ce qu'on ne les associe pas. Et elle tenait à se démarquer de cela. Elle tenait à montrer que la jeunesse, pour elle, est l'un des moteurs principaux de développement. À la dernière minute, elle a été appelée pour une urgence professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEAC célèbre également l'intégration. Donc, il y a une haute personnalité de la CEAC qui est là en ce moment et je crois qu'il devait avoir une séance de travail ou une visite à une haute autorité pays. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que nous avons voulu. Nous avons voulu échanger entre nous. Le docteur Ngedji a beaucoup à la parole en attendant que les autres. Je crois que ce sera ma dernière intervention de cette animation. Je prends juste le cas avec le laboratoire dont nous avons l'honneur d'être pris comme des jeunes chercheurs, analystes et chercheurs. C'est une académie de formation au même titre que bon nombre des facultés qui sont reprises dans nos programmes éducatifs, surtout au niveau universitaire, sur les relations publiques. Mais bon nombre des informations très stratégiques et opérationnelles circulent au moyen de beaucoup de panels qui sont tenus par le laboratoire. Alors, je prends le cas du laboratoire, je cite plutôt le cas du laboratoire pour, illustrer mon intervention. Donc, en termes de propositions sur le volet éducation, puisque je l'avais si bien noté, mais ça m'avait échappé lors de ma toute dernière intervention, au sein de nos pays et au sein de nos différents pays, je crois que nos institutions peuvent déjà valoriser les différentes académies de formation. Pourquoi? Parce que si nous nous appuyons sur les statistiques dictées par nos partenaires, le PNUD, la Banque mondiale, la FMI, c'est que nous vivons autour de 1,5-1,9 $. Alors, je crois que pour ne pas baisser les bras, puisque nous devons prôner la résilience, nous pouvons faire une éducation de qualité avec ce chiffre-là de 1,5 et 1,9 $, à l'occurrence les académies de formation. Et j'ai commencé par citer l'ULARAT, qui est une grande académie. Et donc, les académies comme ça, nous en avons plusieurs dans différents pays africains et dans différents secteurs. Ces académies peuvent être valorisées et porter certaines d'entre elles au niveau des sphères, au niveau des institutions. Pourquoi? Parce que déjà, c'est sur base de ces différentes académies que
l'échange ou les transferts des compétences pourront être effectués entre différents pays. Parce que nous pouvons bien échanger, comme on dit, l'union fait la force, mais l'union ne fait pas toujours la force, c'est question de qualité. Donc, je pense que nos différentes académies qui sont panafricaines ou qui sont aussi nationales, nous équipent déjà en termes d'outils dans une certaine mesure et à moindre frais. Parce que les informations qui sont déversées ici, je crois que ce n'est pas évident toujours de les retrouver dans des livres ou sur Internet. Donc, ça a un coût, mais c'est véhiculé ici à moindre frais. Donc, pour ne pas parler de la gratuité, parce qu'avant de suivre la conférence, il faudra mettre de l'Internet et l'Internet a un coût. Mais globalement, c'est un coût très inférieur. Alors, quand nous sommes déjà outillés au niveau de nos différents pays et nos différentes sous-régions, le transfert de connaissances ou de technologies devient plus facile ou plus aisé parce que nous sommes déjà ramenés à un certain niveau. Et je crois que nos différents pays ou nos différentes institutions de la sous-région peuvent apporter un appui qui sera représentatif, puisque déjà, nous nous suffisons au niveau de nos petites économies telles que définies par les différentes institutions. Il sera question maintenant de façon à réaliser des camps de transfert de connaissances dans différents secteurs de la vie. Il y a les secteurs de l'agriculture, les secteurs de l'industrie, de l'énergie, et c'est, je crois, moyennant ces deux rubriques que l'intégration sera réussie et qu'au nom de cela, nous ramènerons aussi dans une certaine mesure l'économie de nos différents pays, parce que nous l'avons si bien commenté, si bien dit qu'une alternative qui s'impose pour redresser nos économies, c'est l'industrie, et l'industrie marche toujours de pair avec l'énergie. Et tout ça pourra être fait déjà au niveau de nos différentes académies qui sont des moyens de formation à moindre effet et puis qui facilitera donc l'échange des compétences ou l'échange des technologies au niveau de ces différentes académies qui seront répertoriées pour que, à moindre effet, comme je l'insiste, les Africains nous soyons suffisamment outillés. Voilà ce que j'avais comme proposition à apporter sur le volet éducatif, au lieu d'être crispé sur de grands montants où nous savons comment est-ce que ça finit avec les institutions financières, surtout en termes des intérêts. OK, merci bien, docteur Aboukou. Merci. Je crois que M. Pasiké, qui n'arrivait pas à intervenir, a laissé un message qui disait ceci, je vais le lire. Je souhaiterais que, comme la CDAO, qu'une commission de stage de jeunes à la CEAC soit mise en place pour leur insertion socio-professionnelle afin que ceux-ci puissent également apporter leur contribution au processus d'intégration. Je ne sais pas si elle existe déjà à la CEAC. Si elle existe déjà, il faudra la renforcer davantage afin que le processus de recrutement soit beaucoup plus inclusif et basé sur le mérite. Voilà ma proposition. Merci bien. Merci bien, monsieur Pasiké Maleki. Comme le disait quelqu'un, la question agricole également ne doit pas être omise. Il faut que nous puissions également réfléchir à comment faire pour tendre dans les années à venir vers une autonomisation ou une autonomie alimentaire, une autosuffisance, voilà le mot que je cherchais, une autosuffisance alimentaire. Monsieur Marakani est en train d'écrire, il n'arrive toujours pas et il va laisser des messages. Merci bien. Merci.
Donc, je disais qu'il serait également bien que nous puissions voir dans quelle mesure réfléchir à comment est-ce que la jeunesse doit être mobilisée et préparée à une véritable autosuffisance pour assurer aux générations à venir une véritable autosuffisance alimentaire. Nous avons nos terres qui sont fertiles et nous avons le privilège d'avoir encore des terres arables, d'avoir de très grandes superficies de terres arables. Mais l'expérience a montré que ce sont les étrangers qui se l'approprient aujourd'hui. Ce sont les étrangers qui viennent acheter nos terres que nous cédons gracieusement. Les terres dans nos provinces, les terres dans nos villages sont achetées en masse par les étrangers qui ont compris les enjeux des décennies à venir et qui se rendent compte de la surpopulation des autres continents, non seulement de la surpopulation, mais des autres situations qui ne permettront plus aux autres continents et à plusieurs autres nations de pouvoir être des puissances agricoles. Donc, ils sont en train de s'arracher nos terres et nous les cédons gracieusement. Je pense qu'il serait judicieux que nous puissions, en tant que jeunes, appeler à prendre la relève, que nous puissions commencer à réfléchir au niveau de nos organisations à comment faire pour sécuriser nos terres. Comment faire pour que nos terres restent, faire des propositions peut-être à nos autorités politico-administratives pour qu'une bonne partie de terres, de nos terres reste. Parce qu'une fois que vous l'avez cédé, même si l'État devrait se réapproprier ces terrains après pour des causes nationales et exproprier ces propriétés étrangers, je pense que ça va revenir très cher à l'État. Donc, il faut que nous puissions voir dans quelle mesure mettre en place des systèmes d'alerte pour pouvoir empêcher que nous, jeunes d'aujourd'hui, ne puissions nous retrouver dans cette situation demain où il nous serait difficile de mettre des terres à la disposition des agriculteurs, à la disposition des jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole et de tous ceux, de toutes celles qui voudront être des acteurs agricoles. Je crois qu'il y a également la problématique sanitaire que nous n'avons pas abordée, mais toujours est-il que l'ARAD a eu le privilège d'être associé à pas mal d'activités, dont les vidéoconférences panafricaines que nous organisons avec l'Institut Mandela, comme le disait le président Kananoura, avec l'Institut Mandela et l'École doctorale gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient de l'Université Mohamed V de Rabat. Nous avons eu à travailler sur toutes ces thématiques-là. Nous continuons de travailler dessus. Et je crois, le docteur a beaucoup, je crois qu'il est médecin. Il serait également bien que nous travaillions, hein, nous nous approprions ce qui a déjà été fait, ce que nous avons déjà eu à faire, que nous partageons cela avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui et que nous nous organisions également sur cette ligne-là. Que nous, nous préparons à mettre en place des stratégies pour renforcer nos systèmes sanitaires, pour permettre à ce que, lorsque l'opportunité nous sera donnée, que nous puissions mettre en œuvre des politiques qui pourront véritablement permettre l'épanouissement sanitaire de nos peuples, hein, des peuples de l'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, je crois que nous sommes en train d'aller au terme de notre événement de ce jour. Nous n'avons peut-être pas abordé tous les points, nous n'avons peut-être pas abordé tous les contours, mais l'essentiel a été dit, à mon humble avis. Et je vais humblement demander à monsieur Mbina de bien vouloir nous retracer les grandes lignes, hein, les questions, les points que nous avons abordés aujourd'hui. Et à la suite de monsieur Mbina, le docteur Paul Kananoura prendra également la parole. Et suite à cela, nous allons
mettre fin à notre rencontre de ce matin. Nous ne manquerons pas de lire les messages que vous aurez laissés. Je vois déjà le message de M. Rancani qui dit le volet environnemental, il sera important que la jeunesse africaine s'en imprègne. C'est non, devrait s'imprégner la notion de la conservation et de la gestion durable. Oui, des écosystèmes et pouvoir mettre en musique le bassin du Congo, effectivement, qui abrite une des forêts tropicales denses les plus riches du monde en biodiversité, dont certains États n'étant pas dans notre communauté bénéficient de ces bienfaits. Effectivement, le volet environnemental est très important. Il y aura bientôt une grande conférence. Je crois la COP26 qui doit se dérouler à Glasgow le mois prochain. Et le Gabon a eu le privilège d'être le chef de file des négociateurs de cet événement. L'Afrique sera représentée. Et comme l'a dit M. Mawakani, il serait vraiment important que les jeunes que nous sommes puissions nous aligner sur la question environnementale, que nous puissions voir dans quelle mesure avoir la maîtrise de l'existant déjà et dans quelle mesure renforcer l'existant pour permettre aux générations à venir de pouvoir s'épanouir. Parce que si vous n'avez pas un environnement sain, vous ne pourrez pas demeurer en bonne santé. Même si vous avez des systèmes sanitaires efficaces, il serait difficile de maintenir un niveau de santé élevé si vous n'avez pas un environnement sain. Il dit, M. Mawakani a toujours écrit dans la barre de tâche, pour conclure, il sied au regard de ce qui précède, qui sera important d'exhorter la jeunesse dans son ensemble à jouer pleinement son rôle aux côtés de nos dirigeants pour que l'Afrique puisse redorer son blason. Effectivement, nous avons un rôle très important à jouer. Comme je le disais au début de notre rencontre, nous devons nous affirmer. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons trouver les moyens, quels qu'ils soient. Et quoi que cela doit nous coûter, nous devons trouver les moyens de pouvoir nous entretenir, de pouvoir travailler avec nos autorités politico-administratives, avec les différents responsables et ne pas manquer de véritablement nous serrer les coudes. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais donner la parole à M. Mbina. M. Mbina, vous avez la parole. Merci. D'accord. Merci, M. le directeur exécutif. Et je remercie chacun des intervenants de ce matin pour leur riche contribution. Donc, je vais m'atteler à la tâche de faire un léger récapitulatif de toutes les propositions que vous avez eu à énoncer. Il y a d'abord le fait de faire participer les jeunes à la prise de décision, et cela doit se faire par un jumelage et un échange d'expériences et des comportements et de cultures. Donc, la jeunesse de l'Afrique centrale est appelée aujourd'hui à jumeler les efforts, jumeler les compétences et les comportements afin de faire développer la communauté. Il y a par ailleurs le fait de s'atteler sur les questions de protection d'environnement, de réfléchir de manière commune à la protection de l'environnement, à la question, à la thématique de l'accès aux soins et de santé. Pas réfléchir de manière individuelle, mais réfléchir de manière collective. Par ailleurs, il faudrait rentabiliser les acquis et les actions, c'est-à-dire les rassembler, créer comme un plan d'action que nous suivons et
pour arriver à l'objectif. Il faudrait aussi acquérir l'indépendance financière. Parce que aujourd'hui, le pouvoir politique dépend beaucoup du pouvoir économique. Donc, nous avons besoin d'indépendance financière pour arriver à la liberté politique. Il y a l'aspect moral et des valeurs qui a été abordé. Et enfin, la dernière proposition que j'ai lue de la part de M. Mawakani était, oui, bien sûr, l'aspect environnemental. Donc, intégrer la jeunesse. La jeunesse doit s'imprégner de la notion de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes. Par ailleurs, j'aimerais rajouter comme dernière proposition l'utilisation ou une meilleure efficacité de l'utilisation des réseaux sociaux ou des médias. Aujourd'hui, on se rend compte que la plus grande nation, ce n'est pas la Chine, mais c'est Facebook avec 2,8 milliards d'habitants. Donc, le plus grand président n'est pas celui de l'Empire chinois, mais bien sûr, c'est Mark Zuckerberg. Et aujourd'hui, les médias sont essentiels pour reformer la culture d'un État. Donc, il faudrait que la CEAC pense à développer aussi ou à réformer pour une meilleure utilisation les médias. Donc, on parle de télévision, radio et médias sociaux. Je vous remercie. Merci bien, M. Mbina. Je lisais tout à l'heure les messages de M. Mawakani. M. Mawakani qui disait qu'il serait vraiment bien que nous puissions fédérer nos énergies, que nous puissions nous mettre véritablement ensemble en tant que jeunes pour pouvoir faire avancer les dynamiques, pour pouvoir améliorer nos conditions de vie. Je remercie Madame Carlan Ségolène Bissagou qui a été des nôtres. Nous allons clôturer notre rencontre, la première partie de notre rencontre de ce matin. Et toutefois, je rappelle que Son Excellence Madame Francisca Tachor-Bilo nous a fait savoir, lorsque son urgence s'est présentée, qu'elle tenait à ce que nous puissions organiser une deuxième partie de cet événement, que dans un premier temps, nous lui envoyons le film et le rapport de cet événement. Et nous programmerons une deuxième partie auquel elle assistera pour apporter son soutien et pour répondre à un certain nombre de préoccupations et de questions des jeunes de l'Afrique centrale. Comme je le disais, si nous n'avons plus de participants qui souhaiteraient prendre la parole, je vais vous remercier pour avoir bien voulu sacrifier de votre temps pour que nous puissions échanger entre nous, pour que nous puissions voir comment nous donner la main d'association tous, autant que nous sommes, afin de redorer le blason non seulement de notre espace communautaire, mais beaucoup plus de la jeunesse de l'Afrique centrale. Nous espérons vivement que la libre circulation des personnes et des biens sera effective dans les jours à venir. Nous l'espérons vivement parce que sans cette libre circulation, il ne peut pas avoir de véritable intégration. Nous espérons également que il y aura des processus d'harmonisation des diplômes que les étudiants gabonais qui vont étudier à Malabo, lorsqu'ils reviennent de Malabo, qu'ils puissent mettre à profit, qu'ils puissent utiliser convenablement leur diplôme sans avoir à faire de grandes tracasseries. Et nous osons espérer que la CEAC, qui est notre organisation communautaire, mettra en place des dynamiques, mettra en place des processus
qui vont permettre une meilleure autonomisation de la jeunesse, de notre espace. Je continue de voir le message de M. Mawakani qui dit qu'il tient également à suggérer que ce genre d'espace se multiplie. Ce genre d'espace, je tiens à suggérer que ce genre d'espace d'échange puisse se pérenniser afin de toujours permettre aux jeunes que nous sommes et pouvons mieux faire entendre nos aspirations. Okay. Donc, voilà un peu ce que disait M. Mawakani. Comme je le disais, cet événement, en fait, a été organisé dans le cadre de la célébration de la journée de l'intégration africaine et en prélude aux assises de la jeunesse sur lesquelles nous travaillons depuis pratiquement, sinon depuis plus d'un an, qui certainement vont se tenir au premier semestre de l'année prochaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci infiniment. Merci d'avoir été des nôtres. Et ne manquons pas de toujours faire ce que nous pouvons pour accompagner nos autorités politico-administratives dans la mise en place des politiques publiques. Ne nous décourageons pas de faire des propositions, même si nous avons l'impression que nos propositions ne sont pas prises en compte. Hein. Ne nous décourageons pas de toujours tendre la main aux autres jeunes. Nous avons vu des jeunes de la CDAO, de l'espace CDAO, s'inscrire, se faire enregistrer et prendre part. Et nous avons suivi tout à l'heure M. Sawadogo du Burkina Faso qui a dit qu'il voulait découvrir et voir dans quelle mesure nous pourrons travailler ensemble. Je sais qu'il y a eu par le passé des rencontres de haut niveau entre les autorités politico-administratives. Il y a eu des sommets CEDEAO, CEAC. Donc, il serait vraiment bien que nous, à notre niveau, nous puissions également voir comment associer des jeunes d'autres espaces qui sont beaucoup plus avancés que notre espace communautaire, la CEAC. Hein. Il serait bien que nous puissions leur tendre de temps à autre la main. Je vous remercie infiniment et le laboratoire de recherche et d'action diplomatique ainsi que tous ces acteurs à travers ma modeste personne vous remercie d'avoir été des nôtres et nous vous disons une fois encore que nous sommes ouverts à toutes et à tous, nous sommes ouverts à toutes les propositions, nous accompagnons ce que nous pouvons, toutes les initiatives de jeunesse que nous pouvons accompagner, nous essayons d'apporter notre modeste contribution et ainsi que les moyens dont nous disposons pour que les conditions de vie et pour que les processus d'intégration connaissent de véritables succès. Je ne vais pas terminer sans remercier nos autorités politico-administratives qui, quoi qu'on dise, nous donnent des autorisations, nous donnent des agréments pour mettre en place nos organisations de la société civile et qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Je ne manquerai pas de remercier les responsables de la CEAC pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse. Nous ne disons pas qu'ils ne font rien, mais nous souhaiterons que les choses s'améliorent. Nous souhaiterons que les jeunes soient davantage associés à ce qui se fait. Ils seraient vraiment heureux de voir notre espace communautaire hein, dynamique. Ils seraient heureux de voir les autorités de cet espace-là donner plus de privilèges et plus de considération à la jeunesse. Chaque fois quand je vois les jeunes européens, quand vous avez la chance de côtoyer les jeunes de l'Union européenne, franchement, vous avez les larmes aux yeux. Si vous aimez vraiment votre pays,
si vous aimez votre espace, vous avez les larmes aux yeux parce que le cas est trop grand. Ne parlons même pas des cas de l'Asie et des États-Unis. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Je crois que M. Morakani a laissé un autre message. Toujours dans le cadre des suggestions, il serait souhaitable que des structures dédiées à la jeunesse dans nos différents États puissent se mettre ensemble dans une sorte de synergie, en parenthèse, cellule pour le partage d'expériences. Tout à fait, tout à fait. Je pense que nous approuvons tout cela. Merci infiniment. Merci à chacune et à chacun. Et à très bientôt. Comme je le disais, un groupe WhatsApp sera créé. Les personnes qui se sont enregistrées régulièrement, qui ont rempli les formulaires, nous avons vos adresses mail. Nous allons vous envoyer le premier draft de rapport de cette rencontre pour que vous puissiez apporter vos amendements. Ceux qui ont laissé leur numéro seront intégrés dans un groupe WhatsApp qui sera créé. Donc, vous serez informés de la deuxième partie de cet événement qui se tiendra en présence de son Excellence Madame Francisca Tachopilo, vice-présidente de la commission de la CERC, et également de ce qui suit. Merci infiniment et bon après-midi à chacune et à chacun, et que Dieu nous bénisse. Merci.